Eh bien, bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de stream sur Star Citizen. C'est Monsieur Yotsuya, j'espère que vous allez bien. Et le programme de cet après-midi sur donc ce stream de Star Citizen, eh bien, ça va être d'essayer de faire une mission qui me rapporte enfin, puisque hier soir on a tenté le coup de faire des missions de delivery pour essayer d'un petit peu d'engranger un peu de crédit. Alors j'ai bien réussi une mission. Mais malheureusement, je n'ai pas été payé, il y a eu un petit bug. Donc c'est bien dommage, j'avais pourtant atteint l'objectif, mais malheureusement, voilà, le paiement n'a pas fonctionné. Je vais essayer quand même de recommencer une mission de delivery pour voir si ça peut au moins engranger un peu de crédit, parce que j'en ai absolument besoin. Avec la semaine gratuite, là, j'ai découvert, on va dire, la Dragonfly, et je n'ai qu'une envie. C'est de me l'acheter. Donc on va essayer de se l'acheter en jeu. C'est pas excessivement cher, à peu près 75 000 crédits, je crois. Donc ça reste faisable, à condition de se faire payer pour les missions qu'on fait. Mais bon, on va voir. On va voir. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver cet après-midi. Donc on va tout de suite démarrer. Alors ça va être une petite session de 2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3, si j'ai le temps, on verra bien. En tout cas, hier soir, avec la dernière mission donc de livraison que j'ai effectuée, même si j'ai pas été payé, cette mission m'a emmené pour la première fois sur Arcorp et j'en ai pris plein les yeux. Et bonjour à toi, Little Buddha, sois le bienvenu. C'était absolument fantastique. Alors du coup, je ne sais pas si je vais réapparaître là-bas, parce que j'ai quand même réussi à me docker là-bas. Et j'ai coupé le jeu en étant à Area 18. Donc est-ce que je vais réapparaître là-bas? C'est toute la question. On va voir ça tout de suite. Ce serait fort quand même, puisque là normalement la semaine gratuite est terminée. Donc je n'ai plus accès à mon Cutlass Black que j'utilisais jusqu'à présent avec la Dragonfly. Donc c'était vraiment la super bonne combinaison pour moi, parce que je veux vraiment faire de l'exploration au sol, en particulier sur les planètes. Donc c'était vraiment top. Et ouais, couché à 2 heures, levé à 5, c'est ta faute, hein, je suis désolé. Si ça peut te rassurer, j'ai fait pareil, hein. J'ai dû me lever très tôt aussi, bon, peut-être un petit peu plus tard. J'ai dû gagner 1 heure par rapport à toi. Mais ouais, c'est. Mais je pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas arrêter, c'est hypnotique, Area 18. Hypnotique, ce jeu, mais voilà, c'était fabuleux, quoi, c'était fabuleux. Et encore, j'ai rien vu encore d'Area 18, hein. J'ai juste. Parcouru un petit peu les ruelles sans trop m'attarder et c'était déjà magique quoi. Donc ouais, voilà, j'ai pas pu arrêter avant 2 heures, j'en suis fortement désolé. Il était prévu que j'arrête à minuit, voilà, j'ai passé 2 heures de plus sur l'alpha tellement c'était prenant. Donc on va voir si je réapparais à Port-Olisar ou bien à Area 18. On va voir ça tout de suite. Alors, par contre, il y a un petit bug là. Il veut pas me faire apparaître les serveurs. Ok. Est-ce que ça continue de fonctionner? Ouais, normalement, j'ai pas de soucis. Ah, si, ça y est. Ok. Donc, il y a eu un petit temps de latence. C'est des choses qui arrivent, hein. On est toujours en alpha, bien évidemment. Ok. Bon, bah écoutez, on va essayer. Alors, j'espère qu'on va réapparaître à Area 18, hein, vu que j'ai déconnecté là-bas. On va bien voir. Et vu que mon vaisseau était docké là-bas, mais comme mon vaisseau c'était un Cutlass Black que j'ai docké là-bas, et que la semaine gratuite est terminée, est-ce que je vais revenir avec mon Aurora là-bas, ou bien est-ce que je vais réapparaître à Port-Olisar? C'est toute la question. On va voir ça tout de suite. En tout cas, on va poursuivre, hein, les missions de livraison. On va essayer d'en réussir une. Et cette fois de se faire payer. Parce que hier soir, donc, il y a eu un bug avec la dernière mission de livraison que j'ai effectuée. J'ai bien fait la livraison, mais je n'ai pas été payé. Donc c'était l'arnaque. Alors j'espère que j'ai commencé à me faire un peu d'AUEC, parce que j'en ai plus que 200 sur mon compte. Et donc je suis loin des 75 000 que j'espère pour pouvoir m'acheter le Dragonfly, qui est vraiment l'engin idéal pour moi. Entre ça ou l'Ursa ou Cyclone. Bref. Un de ceux-là, de toute façon, il me faut au moins un de ces véhicules.
que j'utiliserai sans arrêt si en plus je peux l'utiliser avec un Cutlass Black dans les mois à venir, ce serait vraiment génial. On va essayer de viser ça en tout cas au niveau des missions. Ça va être un petit peu l'objectif, hein, quand on va faire des missions, ce sera pour ça. Et puis comme ça, on sera paré pour continuer d'explorer le reste des lunes et des planètes qui sont pour l'instant disponibles dans cette pré-alpha. Alors depuis 3 semaines que je suis sur le jeu, je n'ai fait que 2 lunes. J'ai pas eu le temps de faire encore autre chose, tellement il y a de choses à voir à droite et à gauche. Ok, bon, alors, oh. Vous le sentez bien, là? Moi, je le sens bien, là. À mon avis, on est à Area 18, hein. Ça ressemble à une chambre d'Area 18. Alors, je dis ça, j'en ai jamais visité. Je n'ai jamais repopé à Area 18, mais a priori, ça ressemble, hein. Ah, oh, punaise, ce serait le top. Si je peux continuer ma visite d'Area 18, ça serait quand même excellent. Cats on board, ok. C'est Jones qui est à bord de la station Area 18. Le chat de Ripley dans Alien. Ok, bon bah écoutez, c'est parfait, on va se lever. Voilà, je vais vérifier l'état de mes FPS. Je suis toujours fasciné par les textures. C'est super propre, quoi. C'est... Ouais, tout est super bien pensé. Là, en plus, on est accueilli par une magnifique musique au réveil. Je vous la laisse, hein. Et vous me dites si c'est trop fort, hein. Si la balance son-voix n'est pas bon, dites-le moi. Si on n'entend pas ma voix, il faut le dire. Alors ça coupe légèrement et des micro-coupures de musique. J'espère que ça va pas durer, mais bon, après, en même temps. Voilà, je suis pas à 60 FPS, on est bien d'accord. Mais si j'ai des FPS stables, moi ça me va. Ok, du coup je visite, hein. Qu'est-ce qu'on a un petit peu dans le coin là? Bon, on peut prendre des choses ici. Du ketchup, de la moutarde, ça je ne sais pas. Il y a des assiettes ici. Oh, il y a des portes de placard, j'adore ouvrir les portes de placard dans les jeux. Ah, ok, c'est pas ce que je voulais faire. Est-ce que je peux... Ouais, je voulais ouvrir. Waouh, regardez les portes de placard comment elles s'ouvrent. Excellent. Ok. Et donc, est-ce que je peux reposer ce que j'ai dans la main? Oula! Non, je suis mort! Je suis mort sous un meuble! Oh, j'espère que je vais réapparaître à... Area 18, pitié! Faites-moi réapparaître à Area 18. Oh, punaise, ça commence bien! Une mort sous un meuble! Le meuble m'a tué. Non, comment j'ai fait mon compte pour mourir sous un meuble? Ouais, j'ai voulu m'accroupir, et du coup je me suis couché. Et apparemment, il a pas aimé la tête dans le meuble. Ça démarre fort. Allez, espérons qu'on réapparaisse à Area 18, sinon je serai bien déçu. J'aurais à peine visité la cabine, la chambre de cette zone. C'est un peu dommage. Donc là, on est dans le noir. Non, mais franchement. Assassiné par une porte de placard. Oui, on réapparaît dans le même lit. Ah, ça, c'est cool. Merci le jeu. Donc, on va éviter d'ouvrir les portes de placard, visiblement, parce qu'elles sont tueuses. Hein. Ok, allez, je m'en vais tout de suite de la chambre. En tout cas, il y a des choses sympas, mais on va pas s'attarder parce qu'apparemment, il y a des pièges. Hein. Ah, ben la porte est toujours ouverte. On va la laisser ouverte. Allez, on s'en va d'ici. Oh, mais elles sont classe, les cabines. Là, on voit que c'est spacieux. Hein.
On n'est pas à Port-Elisard. Ok, l'environnement est chargé. J'ai pas de perte de FPS pourvu que ça dure. Là-bas, c'est des portes aussi de chambres. Ah, il y a des escaliers ici. Attention, sol glissant. Alors, on va laisser le temps au jeu de charger le reste de la zone. On va laisser le CS faire son boulot parce que... Voilà, avec mon petit processeur... C'est pas toujours simple, mais je suis déjà tellement épaté d'arriver à faire tourner ce jeu avec ma petite config, je le dirai jamais assez. Waouh, comment on est accueilli, mais j'avais pas vu cette vue. Oh là là, comment on est accueilli quand on sort de la chambre. Par cette vue magnifique. Non, c'est trop beau là. Waouh, regardez-moi ça. Est-ce que je peux zoomer là-dessus? Oui. C'est trop beau. Ah, je suis trop content d'avoir pu réapparaître à Array 18. Oh, l'effet de profondeur. Oh, la vache. Avec les... Attends, c'est un Cutlass Black qui se balade là-bas. Ah ouais, c'est pas que des... C'est pas que des JPEG. Enfin, si, ouais, si, peut-être que si, finalement. Non, même pas, on a l'impression que c'est animé. Oh, c'est magnifique. La circulation en bas, là, franchement. Ah, c'est génial. Cette ville est absolument géniale. Bon, bah, ça démarre. Très bien. Du coup, bah, je vais en profiter pour continuer ma visite de Area 18. Alors, là-bas... je viens d'où, déjà? Je viens de là, ok. J'imagine que là-bas, ça rejoint les chambres, ok. Donc, l'ascenseur est ici, ok. Waouh, c'est fluide, ça va, quoi. Alors, c'est clair, je dois être entre 10 et 15 FPS, on est bien d'accord. Mais c'est tout à fait jouable, il n'y a aucun problème. Allez, on va appeler l'ascenseur. En espérant qu'il y en ait un. Et puis, on va faire un petit tour dans les ruelles de ce que je n'ai pas encore visité hier soir. Et puis après, on essaiera de se faire une mission en quittant Area 18, si j'arrive à quitter Area 18. Alors par contre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Grand ou Flore? Flore 4, c'est là où je suis. Ouais, c'est là où je suis, d'accord. Donc il faut que je fasse Grand Flore. Ok. Allez, donc là aussi, pareil, hein, dans cet ascenseur, il n'y a toujours pas d'indication comme quoi on monte ou on descend. C'est vraiment ce qui manque, je trouve. Mais bon, c'est un petit détail. Voilà, donc là, je suis au rez-de-chaussée. Ouais, mais même les fleurs dans les pots, elles sont chouettes, quoi. Va falloir que je fasse la flore dans les stations. Parce que j'essaie de recenser la flore sur les planètes, mais je pense qu'il va falloir que je fasse pareil dans les stations, parce que ça vaut le coup d'œil, quand même. Alors, on se presse pas, on a tout notre temps. Je regarde ce que je n'ai pas encore vu. Ah, mais j'adore les pubs dans ce... Dans ce jeu, mais elles sont tellement stylées, les pubs. C'est pas des vieilles affiches. Enfin, c'est voilà, c'est, elles sont belles, quoi. C'est des... Ouais, on sent que, voilà, il y a des vrais designers derrière, quoi, qui se sont fait plaisir, hein. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est cool. C'est cool. Ok, donc les fameuses caisses, les fameuses boîtes de livraison de colis. Waouh, waouh, oh là 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 là,
l'effet d'immensité, mais c'est pas possible. On est à New York, quoi. Non, mais vraiment, quoi. C'est l'impression que ça donne, quoi. On est à New York. Alors, si je peux arriver à gérer la caméra, faire que je règle la sensibilité un de ces quatre, parce que... Ah ouais, mais punaise, quoi. Alors, si je fais ça, voilà, ce sera mieux. Ah, c'est magnifique. Allez, ça y est, je suis reparti à faire des photos. Bon. Ah, puis les ambiances sonores, mais c'est vraiment chouette. Alors là, évidemment, voilà, je rame un peu, mais c'est normal. Je vais attendre que ça charge la zone. Et après, je suis tranquille. Voilà. Oh, il y a les ordures qui volent. Non, mais c'est... Pfff. Même les ordures sont belles dans ce jeu. Donc, où est-ce que je ne serais pas allé? Zone 2, ça me dit rien. Ah, mais en fait, je ne suis jamais venu ici, en fait. Tout simplement parce que je sors des habitations. Eh ouais, c'est ça. Je sors des habitations. Donc, je n'ai jamais vu cette zone encore. Oh, puis les PNJ qui ont leur propre vie. Enfin, c'est vraiment stylé, quoi. On n'arrive pas à voir s'ils ont des boucles de déplacement. Tellement c'est bien fait, quoi. C'est ultra classe. J'adore les lumières. Et encore, c'est encore plus flagrant la nuit. Les néons et tout, mais il y en a dans tous les sens. Oh là 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 là. Oh là là. L'effet de vide. C'est aussi vertigineux en haut qu'en bas, quoi. Alors là, pour le coup, il faut que je tente. Il faut que je tente une photo, là. Voyons voir. Si je fais comme ça. Voilà, que je monte la caméra. Pour la déplacer légèrement sur la gauche. Voilà, je peux voir à l'intérieur. Je peux voir le fond avec les véhicules qui se déplacent. Non, mais c'est top. C'est des malades, hein, chez CIG et compagnie. C'est des malades. Alors, ce qui serait marrant, c'est que maintenant, est-ce que je peux descendre la caméra? Non, je peux pas. Je bute contre la barrière. Voilà, là, je suis au max. Voilà, je suis au max de ce que je peux faire avec mon personnage. J'essaie de déplacer la caméra au maximum. Pour essayer d'avoir des vues vraiment, vraiment sympas. Alors du coup, il y a la bande-son qui se déclenche. Si je m'approche du bord, c'est marrant. Oh là là, regardez ça, l'effet de vertige là, c'est génial. Non mais ce jeu, c'est pas possible. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ah, c'est... Allez, j'arrête de prendre des photos parce que sinon... Je vais jamais finir. Donc là, on a... Encore un roi de la saucisse. Il y a moyen de t'acheter des trucs, quoi? Non, pas vraiment. C'est pas encore accessible. Vas-y, les petits pains, là, on a envie de les prendre, là. Si je zoome dessus, c'est fou, les détails, quoi. C'est fou, les détails. On a un jeu vraiment à la qualité d'un The Witcher avec les, au niveau des détails, c'est fou. Regardez ça, les saucisses qui cuisent, là, dans le... qui sont réchauffés dans le four. Ah non mais c'est bête, hein, c'est tout bête, hein, mais voilà, il y a même jusqu'au menu, quoi. On peut lire le menu si on veut. Voilà. Si je veux, je lis le menu. Ah non, c'est classe. C'est classe. On peut même lire les vieux journaux.
Ils ont poussé le détail jusqu'à faire des... Bref, les ordures et tout. Non, c'est vraiment chouette. Hein. Bref, allez, j'arrête de m'extasier parce que je vais saouler tout le monde. Alors donc ici, on a des carrément des boutiques de fringues. Non, attends. Ah ouais, des boutiques de fringues. On est en train de me perdre. Est-ce que ça s'ouvre? Non. Si, ça s'ouvre. Oh là là, c'est une vraie boutique. C'est une vraie boutique. Comme à Port-Lizard. Oh, puis on peut acheter ses fringues. Non, mais c'est trop bien. Bon, par contre, j'ai pas du tout les AUEC. Hein. Va falloir que je farme, et que je refarme. Ah, mais c'est évident que je veux des fringues comme ça. Des tenues civiles quand je me balade en ville. Bon, pour l'exploration, non, mais... Non, mais, ah ouais, punaise, c'est trop bien, quoi. Celle-là me plaît bien, là. Est-ce qu'on peut l'essayer? Juste pour rigoler, hein. J'essaie juste, hein. Wouah, regardez-moi la classe ultime. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Non, mais, alors... On en parle de la classe du perso, là? Alors, je peux rester que là, bien évidemment. Je peux pas bouger, hein, d'accord? Non, je peux pas bouger parce que je suis en train d'essayer. Donc, les touches de direction ne fonctionnent pas, ce qui est tout à fait logique. Et je peux tourner, voilà, le personnage. Non, mais regardez-moi ça, c'est pas top. Est-ce que je peux baisser la caméra? Non, hein, je peux pas. Là, je reviens sur la... Okay. D'accord, ouais, vraiment classe, hein. On a envie de tout essayer. Ah, il y a des casquettes. Ah, j'adore les casquettes. Je suis un fan de baseball IRL. Donc forcément, à terme, il me faudra une casquette. C'est obligatoire. Alors, les casquettes coûtaient peut-être pas. Là, on a eu que des casquettes badass. Ouais, c'est pas forcément mon style de casquette, mais bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Ah, il y a encore des fringues ici. Ah, ça y est, c'est bon, je suis en train de faire du shopping. J'y crois pas, quoi. Ouais, on a les mêmes que là-bas, d'accord. Là, on a carrément des bottines, des chaussures. Ah, génial. C'est classe. Si j'essaye celle-là pour rigoler. Est-ce qu'on peut les essayer? Oui. Voilà. La classe ultime. Ah la vache. Non mais ce jeu est dingue. Quand il sera fini, mais ça va être... quand tout sera au point, je pense que ça va être quand même quelque chose d'assez fabuleux. Hein. Là, il y en a d'autres ici. Ok. Là, il y a d'autres styles de... blousons. Vraiment sympa. Là aussi, il y en a là. Ah, c'est carrément des pantalons, là, d'accord. Chouette, hein. Punaise, c'est chouette, hein. J'avais pas vu les boutiques jusqu'à présent. J'ai pas eu le temps hier soir. C'est quoi ça? C'est un joueur. Il est super classe son t-shirt. Voilà, et puis là, c'est une casquette comme ça que je veux. Limite, il faudrait que je lui demande où c'est qu'il l'a. Qu'il l'a eu. J'ai pas un problème avec mon HUD là. Ouais, on dirait que j'ai un problème avec mon HUD. J'ai plus de HUD. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai pas mes... Non, on est bien d'accord, j'ai pas mes chaussures. Non. Des fois que je serais parti et que les chaussures sont payées. Mais non, c'est même pas ça. Donc j'ai perdu mon HUD, il y a eu un petit bug. J'espère que ça va revenir.
si je fais F1. Ah, j'ai perdu ma main aussi. Oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Est-ce que j'ai mes mains au moins? Non, j'ai perdu mes mains, regardez. J'ai plus de mains. Bon, c'est pas grave, allez. On fait comme si on n'avait rien vu. Ici, c'est vide, ok. Là-bas, il y a des armes. Ok. Ça, c'est l'armurerie, d'accord. Avec des chenilles. Oh là là. Pff. Là aussi, je sens que ça va être stylé. Et il y a évidemment des armures. J'ai l'impression que les serveurs, il a un peu de mal. Bon, si ça crache, j'espère que je vais réapparaître ici. C'est cool, là. Que je puisse finir ma visite. D'accord, donc on peut acheter toutes les armes du jeu ici. Parfait. Et là, c'est les combis que je connais déjà depuis Grimex. Je crois que c'est à Grimex que je me suis équipé, je me souviens plus. De la combinaison que j'ai déjà. Alors, si je fais F4, voilà, là, il y a un petit souci. Hop. Si c'est bon, ouais, voilà, il y a vraiment un souci. Je me disais, il y a un petit problème. J'ai plus de mains. J'ai laissé mes cheveux et mes mains dans la boutique de vêtements. Le truc, c'est que j'ai bientôt 50 ans. Je pense que nos enfants y joueront si le projet aboutit. Mais ouais, mais tout à fait, Mirac. Mais moi, c'est pareil. Hein. J'ai quasiment le même âge. Hein. 3 ans près. Donc forcément, voilà, j'espère que ça aboutira un jour. En tout cas, ben voilà, au moins on en profite un minimum hein, avec cette pré-alpha. C'est déjà ça. Mais moi, clairement, voilà, c'est un rêve de gosse hein, ce jeu, vraiment. Hein. Déjà, les premières productions de Chris Roberts à l'époque avec ses Wing Commander, Freelancer et compagnie. Et avec son frère également. Voilà, je kiffais déjà ces jeux, donc. Et moi, donc, bah, j'imagine comme toi, hein, on a eu la chance de les voir à leur sortie, ces jeux-là. La porte, elle est où? C'est pas ici. Parce qu'elle est la porte de sortie. Ouais, 2023, 2024, ouais, on sait pas trop. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura au moins Squadron 42 avant. Au moins la version solo du MMO, quoi. Au moins ça, quoi. Bah, en fait, ouais, ça dépend ce que t'aimes, en fait, comme type de jeu. Mais moi, c'est vrai que comme je suis vraiment quelqu'un de très contemplatif, on l'aura compris, hein, je prends des photos toutes les 2 minutes. Donc là, déjà, moi, tout ce que je vois, regarde ça avec le métro qui se balade au fond. Hein. Trop stylé, quoi. Donc juste ça, moi, voilà, j'aime, c'est dépaysant. Et j'aime ce qui me dépayse, quoi. Bon, je vais voir si je peux pas récupérer mon avatar en entier, là, si je retourne à la boutique. Ouais, c'est vraiment prometteur. Hein. Mais il n'y a pas de raison que ça parte en sucette. Encore une fois, Chris Roberts, il n'en est pas à son premier jeu, hein, loin de là. Donc moi, je sais qu'il va arriver au bout, c'est une évidence. C'est une évidence. Si je reprends celui que j'ai vu tout à l'heure, là, est-ce que... Voilà, si je fais ça... Voilà, là j'ai retrouvé tout. Donc si je fais F d'ici, est-ce que je retrouve entièrement mon personnage? Non, malheureusement. Bon, bah il y a un petit bug avec les... C'est pas grave, on fera pas de selfie, hein. Voilà, parce que je vais pas dire, mais là j'ai quand même une sale gueule. On fera pas de selfie. Hein. Donc je sais pas pourquoi j'ai perdu mes mains. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer? Je vais quand même essayer de voir si je peux pas mettre une casquette. Essayer une casquette, voir si ça me remet mes cheveux. Et yo, Shag. Alors, je vais essayer la casquette. Voilà, là j'ai mes cheveux avec la casquette. J'ai mes mains. Donc si je fais F. Et que je fais F4. Non, il veut pas me redonner mes mains et mes cheveux. Hein. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Ouais, on peut lui faire confiance sans aucun problème. Moi, je te dis...
J'ai joué quasiment à tous ces jeux, et même ceux de son frère, avec son frère, donc moi je sais que ça va aboutir. C'est évident que ça va aboutir. C'est juste que là, ben voilà, il a le temps et les moyens de faire le jeu dont il a eu la vision il y a 20 ans, quoi. Donc forcément, ça prend du temps. Mais ça va arriver, c'est une évidence. Ouais, même les plantes dans les bacs, elles sont jolies, quoi. Ok, ici, il y a une petite ruelle. Je vais aller voir ce qu'il y a dans la ruelle. Oh, regardez-moi ces effets de lumière, mais punaise, dans la flotte. Les néons qui se reflètent, mais c'est juste, voilà, c'est chouette, quoi. Bon, bah j'en profite, j'ai pas d'ATH, j'ai perdu l'ATH, alors j'en profite pour prendre des photos. Ah ouais, mais c'est magnifique. Rien que de parcourir les environnements comme ça, c'est chouette. Ah, ok, une ruelle sombre. Non, c'est bon, je cherche pas les emmerdes. Je cherche pas les emmerdes, voilà, je m'en vais, monsieur. Il m'a l'air louche, lui. Je reste pas là. Mais il me suit. Mais il me suit, hein, il insiste, hein. Laissez-moi tranquille, monsieur. Laissez-moi tranquille. Ok, bon, allez. On va continuer la visite. Et puis si on peut, on va essayer de se faire une autre mission quand même. Est-ce que je suis passé par là? J'adore me perdre dans ces jeux, j'adore ça, quoi. C'est tellement plaisant. Ouais, regarde-moi la pub pour RSI, là. J'ai trouvé super classe leur pub. Bref, allez, on s'attarde pas. Alors, en fait, l'idéal, ce serait que je trouve la zone du métro pour pouvoir repartir du côté des hangars, si je peux quitter Area 18, en vue de faire d'autres missions, bien évidemment. 49 cet été, bah moi, ça va être 47 cet automne. Donc effectivement, on a à peu près le même âge, hein. Je me sens pas vieux, je joue aux jeux vidéo depuis les années 70. Bah ouais, c'est ça, hein, moi depuis les années... Bah en fait, mon tout premier jeu, on va dire spatial, ça a même été mon tout premier jeu, on va dire, c'était Elite Dangerous, de l'époque de 84-85. Donc c'est vraiment à cette époque-là que j'ai commencé à jouer sur ordinateur et que j'ai jamais arrêté, quoi. Et j'ai toujours eu la passion des jeux spatiaux, quoi, des simulateurs d'espace, quoi, de l'espace. C'est vraiment là que j'ai pris le pli, quoi. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Ouais, donc c'est ça, j'avais 12-13 ans. Ouais, c'est magnifique, regardez-moi cette vertige qu'on a là quand on regarde en haut. C'est génial. Alors on a la nuit qui commence à tomber. Ici on a quoi? Ah oui, ça s'ouvre, les portes s'ouvrent. C'est ça que j'adore dans ce jeu. On croit qu'on peut pas aller plus loin parce que dans la plupart des jeux, bah c'est juste des décors. On croit qu'on peut pas passer les décors, mais en fait si. Les portes s'ouvrent et puis on passe les décors, tout va bien. Je me faisais du Space Invader debout, sur une chaise, dans les cafés, bah j'ai fait la même chose, hein. On allait avec mon grand-père, moi j'avais un oncle qui avait un café, j'étais toujours fourré là-bas, quoi. J'avais toujours les dernières bornes arcade qui sortaient, les flippers, bien évidemment, je suis un fan de flippers. Mais ouais, voilà, c'est ça. Ouais, t'as pas un franc, voilà. Moi, je préférais qu'on me file un franc pour faire une partie de Space Invader ou de casse-briques plutôt que m'acheter un paquet de bonbons. Oh, j'étais pas venu ici. Super hologramme. Ok, donc là, on est dans la zone administrative, d'après ce que je comprends. C'est quoi ça? Oh, punaise! L'écran géant derrière.
Ouais, pareil, bah tu vois, moi sur ma PS4 Pro, je kiffe le jeu de Flipper, par exemple. Il y a un jeu de Flipper, comment il s'appelle déjà? Pinball, je sais plus comment. Voilà, je kiffe le jeu de Flipper. Et je regrette fortement qu'on ne peut plus avoir accès à la VR, enfin à la 3D plutôt, qu'on avait sur la PS3 avec ce jeu, tu vois, ce genre de choses. J'adorais ça. C'est quoi ici? Trading et shipping console. C'est fait pour quoi? Pour louer des vaisseaux? Ah non, d'accord, oui, ok, d'accord, c'est juste des... oui, forcément, comme j'ai pas appelé de vaisseau, j'ai rien. C'est là où on peut faire des achats et des ventes, faire du commerce, de marchandises, tout simplement, sans passer par des missions. Ok. Donc, comme dans la zone où j'étais hier soir, la zone de trading, là. Waouh, mais c'est... Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Il y a... Aïe, j'avais pas vu l'eau qui coule. Non, mais... Non, mais les designers, ils se sont lâchés, quoi. Ils se sont lâchés. Alors, c'est marrant, hein, mais je retrouve un peu l'ambiance qu'il y a dans le MMO gratuit là, de Star Trek Online. J'y ai joué aussi un petit peu à ce jeu et je retrouve un peu ces ambiances là. Alors, évidemment, là c'est éblouissant, mais on retrouve un peu cette espèce de design là, de station spatiale. Ouais, c'est magnifique. Alors là, il y a les ascenseurs pour aller où? Ouais, c'est le jeu de mes rêves quand j'étais gamin, quoi. C'est clairement, quoi, clairement. C'était déjà le cas avec les Wing Commander. Je disais, mais c'est pas possible, quoi, de faire des jeux pareils. J'en revenais pas, quoi, déjà à l'époque. Mais là, clairement, voilà, c'est le jeu de mon rêve d'enfant, quoi. Quand je jouais aux jeux de rôle sur papier, les jeux de rôle Star Wars. Trucs comme ça, enfin c'est voilà quoi, je rêvais que de ça quoi, ou bien évidemment Cyberpunk en jeu de rôle papier, c'était un de mes jeux de rôle favoris, bien évidemment. Donc j'attends avec impatience Cyberpunk 2077, hein, puisque c'est ni plus ni moins que la version jeu vidéo de ce jeu de rôle papier qui va sortir. Hein, et il y a justement Pond Smith, le créateur, qui supervise l'avancement du jeu. Donc on peut supposer que ça va être que du bon. Mais voilà quoi, on retrouve toutes ces ambiances là. Je kiffe quoi, je kiffe. Alors si en plus, un jour dans Star Citizen, on a la VR accessible, comment dire, ça va être compliqué de faire autre chose. Hein. Bon bref, alors ici on a Circle Height Creative. Fanning Geoanalytics, ok. Donc on a dit bureau, Horizon, Real Estate Partner, ok. Horizon, c'est la ville dans les nuages de Crusader, hein, c'est ça? Donc on pourrait voir les plans éventuellement là-bas, ce serait sympa d'aller voir ça. Ici on a développement planétaire, évidemment des avocats, Center Mass, ok. Opération et maintenance, d'accord. Bon bah si on peut visiter ce serait cool, mais je sais pas si jusqu'où on peut aller. Non, ici apparemment c'est pas accessible, il n'y a pas de bouton. Ouais, pour l'instant c'est pas accessible. Donc peut-être dans la prochaine mise à jour, on peut espérer. Donc là j'imagine aussi qu'on peut pas. Ah si, il y a des ascenseurs, mais il n'y a pas de bouton là-bas. Non, là par contre il y a des boutons. Est-ce qu'ils sont. Si, ils sont cliquables. Ah bah on va appeler l'ascenseur, on va les visiter. Encore une pub pour voilà des vêtements pour le comment il s'appelle le Constellation, c'est ça? Oh, je connais pas encore le nom de tous les vaisseaux. Ok, je regarde les pubs moi. Non mais c'est pas possible. J'ai les pubs en horreur et IRL et j'arrête pas de regarder les pubs dans le jeu, quoi. Chercher l'erreur. Alors donc là on est au Center Mass apparemment, hein. Et ici donc on peut aller au IO North Lobby. On va voir. Non, c'est là où on est, d'accord. Donc on va aller au Center Mass. Vas-y. Ok, là ça a marché. Juste le couloir A pour l'instant. D'accord, merci Little Buddha. Bah, effectivement. Donc on imagine voilà, que le reste va s'ouvrir au fur et à mesure. De toute façon, c'est évident. Faut juste être un petit peu patient.
Donc, eh bien, pour les vieux comme nous, c'est le genre de jeu typiquement qui donne envie de rester en forme pour continuer de faire des streams jusqu'à 2h du matin. Clairement. Heureusement, je suis un oiseau de nuit, donc ça ne me pose pas de problème. J'ai l'habitude de bosser la nuit. Et je sens que j'ai pas fini de passer mes nuits sur ce jeu. Hein. Donc là, on est clairement dans une... Oh, la taille du canon, quoi! Ça va sur quel engin, ça? C'est un classe quoi. Faut que j'apprenne hein, les. Ouais, faut que je prenne le temps d'apprendre tous les modules d'armes, etc. qu'il y a dans le jeu. Ça se monte sur quel vaisseau ces trucs, c'est dingue. Ouais, mais bon, 3 ans, c'est. Moi ça fait 20 ans que j'attends ce jeu, donc c'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave. Ah, on peut. Et franchement, même les écrans, ils sont classe, quoi. Ok, donc effectivement, on a une boutique. D'accord. On peut acheter tout un tas de choses. Ouais, donc je vais pas m'attarder, mais ouais, c'est pour acheter des modules de vaisseau, d'accord. Missiles et compagnie. Armes, etc. Utilitaires, qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Des gadgets. Des medpans d'oxygène. D'accord, ok. Ah, zut. Ah, je suis planté. Non, c'est bon, allez, je me tire de là, voilà. Bon, puis ce qu'il faut se dire aussi, c'est que 3 ans de développement, peut-être à encore attendre, ça permet d'avoir le temps de prévoir le budget qu'il faut pour le PC qui va bien, quoi. Voilà, c'est chouette. Tout est classe dans le jeu, quoi. Enfin, en tout cas ici, parce que j'imagine que autant ils sont capables de faire des environnements super classe que je suis persuadés qu'ils sont capables de faire des environnements très crades sans problème. Voilà, magnifique. Et quand je pense que voilà, on a aussi Elite Dangerous qui pousse derrière pour sortir les Space Leg et compagnie, je pense que là on a vraiment de quoi faire dans les prochaines années. Je pense qu'on va vraiment s'amuser sur ce type de jeu. On va avoir des MMO spatiaux qui vont être absolument géniaux à parcourir. Tu dis ça maintenant, mais quand tu l'auras exploré pendant un an, on en reparle. Bah écoute, ouais, je suis bien d'accord avec toi, mais à la vitesse où vont les patchs là, les mises à jour, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Là, j'ai mis quand même 3 semaines pour visiter que 2 planètes. Hein. Je n'ai pour l'instant visité que 2 planètes, enfin même pas, c'était 2 lunes, et encore de manière succincte. Tellement il y a de choses à voir dans tous les sens, donc bon, je pense que j'en ai pour un petit moment quand même. Hein. Puis moi, je suis pas du genre à me lasser, hein. Je peux repasser 10 fois au même endroit, ça va pas me gêner, je vais toujours trouver un truc différent, comme là, voilà, avec la nuit qui vient de tomber, punaise, la ville s'éclaire. Ah là 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 là, c'est super beau. Ouais, c'est magnifique. Ouais, ça fait 20 ans que j'attends le jeu, ouais, tout à fait. J'ai déjà eu l'eau à la bouche, LCD, bonjour au passage, quand j'ai joué au premier Wing Commander sur la PS1 à l'époque. Et depuis, voilà, je me suis dit, mais voilà, faut qu'il continue ce Chris Roberts, faut qu'il continue. Et il a continué. Pour notre plus grand plaisir, puisque là, vraiment, il est en train de nous pondre un jeu, mais... comme on n'en a encore jamais vu, quoi. On verra en 2020 si il se plante frontière, mais c'est David quand même. Il pourrait nous calmer sévère, même si nous. Mais s'il nous plante Elite, il est fini. Ouais, non, mais je pense pas qu'il fasse l'erreur. Hein. Très clairement, je pense pas qu'il fasse l'erreur. Surtout avec la grosse annonce qu'ils ont faite, là, en disant que voilà, on allait avoir une mise à jour historique sur Elite, etc. Non, non, moi, quand même, si. S'ils font pas ce que les joueurs ont demandé depuis le début du jeu, enfin déjà, même pour ceux qui ont pledge depuis le début, hein, le jeu est quand même sorti en 2012. Hein. Donc si jamais voilà, les jeux qui ont le pass à vie n'obtiennent pas ce genre de promesses, c'est même pas la peine, quoi.
Je suis au centre Tarmas. Où est-ce que je suis? Je suis perdu. Non, c'est bien ça, je suis au centre Tarmas, donc il faut que j'aille. Io North Lobby. Voilà. Parce que là, c'est apparemment un cul-de-sac. 100 systèmes et 50 à découvrir. Mais ouais, mais pff, quand tu vois la richesse d'un seul système, tu te dis, mais comment ils vont faire 100 systèmes, quoi, avec les mêmes. La même ingéniosité, enfin la même. Comment dire. Imagination pour créer les mondes, quoi. Parce que Elite, bon, voilà, c'est généré de manière procédurale aussi. Mais il se casse pas la tête à essayer de tout réagencer derrière pour que ça fasse quelque chose de sympa, pour que ce soit vraiment unique, etc. C'est vraiment ce qu'ils sont en train de faire sur Star Citizen, quoi. Ouais, 2014, oui, c'est ça, pardon, c'était 2014, Elite. Effectivement, tu as raison, Mirac. 2014, c'était 2012 l'annonce de Star Citizen. C'est pour ça que je confonds, parce que je me souviens jamais. Ouais, ouais, c'est ça, décembre 2014. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, groupe C, groupe B, on a vu que c'était pas possible. Groupe A, alors peut-être que groupe C est accessible. Là, groupe C, c'est à droite. Et là, on a quoi? Top floor access? Non. Attends, je vais voir ça. Ah, dommage, on peut pas y aller. Dommage, on peut pas y aller. Ok, donc une autre zone à découvrir un peu plus tard. Et ici, est-ce qu'on peut y aller? Qu'est-ce qu'on a ici? Accord Access Service. Ok, donc là c'est des entreprises. Et on n'a pas d'ascenseur, donc on peut pas y aller non plus. Ok. Alors est-ce que ma tête est revenue? Mes cheveux, est-ce qu'ils sont revenus? Non, j'ai toujours pas de main et toujours pas de cheveux. Tout ça parce que je suis allé dans une boutique pour essayer des fringues. J'espère que je fais pas peur à tout le monde. Ouais, c'est super classe. C'est un tel mélange de références de partout, des jeux vidéo, de cinéma, de livres, de romans, enfin c'est... Pff. C'est le club privé pour les concierges, la porte vitrée, d'accord. Je suis pas encore concierge, donc je peux pas rentrer. Pff, la vache. Qu'est-ce que c'est beau. Quand ils vont commencer à ouvrir toutes les zones au fur et à mesure, je pense que ça va être vertigineux. Alors, est-ce que j'ai un moyen à partir d'ici de rejoindre la zone du métro. Et bon courage, Little Buddha. Bon courage pour ton travail. Merci d'être passé et à plus. Ok. Ah oui, là j'arrive, je connais déjà. Ok. Je me souviens de cette zone. Ici, je ne sais plus. J'ai dû passer aussi par là. Ok, c'est fermé pour l'instant. Ok. C'est une table, ça. Ah, y a un siège. Ce serait marrant qu'on puisse... On peut s'asseoir sur le siège. Non, mais voilà, quoi. Si je veux, je peux flâner dans une ruelle à contempler les poubelles. C'est génial. Ce jeu est top. Ce jeu est top. Allez. On continue. Je rappelle que je suis censé faire des missions de delivery. Hein. Donc là, l'objectif, c'est de trouver la sortie pour rejoindre les hangars et essayer de repartir d'ici. Sans être obligé de faire Alt F4. Enfin non, de me suicider, je veux dire. Mais c'est pareil. Ah ouais, ouais, si, ça y est, je me souviens, j'étais déjà venu ici. Ouais, c'est là qu'il y a la donneuse de mission Twitch là. Ouais, ok, bon, je ferai ça plus tard. Là, je vais pas la faire là, de toute façon, je suis pas équipé, c'est même pas la peine. Ouais, c'est ça, c'est elle, voilà, Twitch. Donc ça, c'est une donneuse de mission, d'accord, que j'avais furtivement vue hier. Donc si je la regarde,
finir par me parler normalement et me demander si je veux pas du boulot. Mais bon, je vois pas trop. Je peux essayer, hein, je peux essayer de faire la mission, mais j'y crois pas trop. J'arriverai jamais au bout. Voilà, est-ce qu'elle veut me parler? Pour l'instant, elle a pas l'air décidée. Non, là, je pense qu'elle est encore. Enfin, je sais pas à quoi elle rêve. Mais elle rêve pas de moi, c'est clair. Et son garde du corps, qui a l'air tout aussi habité. Alors c'est le genre de PNJ, voilà, faut insister, faut la regarder avec insistance pour qu'elle commence à vous parler normalement. Mais bon, elle a pas l'air décidée là. N'empêche qu'elle est classe sa combinaison. Franchement, je lui piquerai bien son armure. What a surprise. Ah, tiens, ça y est, elle me You're parle. still alive. Je cherche du travail. Maybe. Allez, dis-moi tout. Est-ce que t'as quelque chose pour moi? Hey, I appreciate your enthusiasm, but it doesn't mean I've got anything for you. Ah, génial. Ah, génial. Comment je me suis fait jeter? Mademoiselle apprécie mon enthousiasme. C'est parfait. Bon, c'est déjà ça. Mais visiblement, il faut un rang que je n'ai pas. Pour qu'elle me propose du travail. Ok. Excellent. Excellent. Bon, bah, c'est pas grave. On va aller voir ailleurs si on y est. Hein. Oh, regardez-moi ces jeux de lumière. Ouais, fabuleux. Fabuleux. Donc, faut que je trouve la zone du métro. Avec la petite musique qui s'enclenche là, j'ai laissé les musiques du jeu exprès. Hein. Faut qu'on se laisse imprégner de l'ambiance. J'arrive pas à savoir si c'est du chinois ou du coréen qu'on voit là. En tout cas, c'est pas du japonais parce que je connais le japonais un minimum. Ça ressemble pas au japonais, on dirait du coréen. Là, c'est un hôtel, mais il n'est pas ouvert. On imagine toute l'affluence qu'il pourrait y avoir ici plus tard. Peut-être à la 3.6, allez savoir. Il y a des PNJ qui vivent leur vie comme ça, j'adore. C'est tellement immersif. Ok. Bon, j'aimerais bien me faire quand même quelques AUEC. J'espère qu'on va réussir à trouver la sortie. Où est-ce que ça peut être? Normalement, il faut suivre. Je sais qu'à leur ville, il faut suivre les lignes au sol, mais ici, on n'a aucune ligne. Donc là, c'est l'hôtel des ventes que j'ai déjà vu. Là-bas, c'est des petites ruelles aussi. Oh, l'ambiance qu'il y a ici, quoi. Ah, il y a un joueur, je serais peut-être avisé de le suivre. Je serais peut-être avisé de le suivre, on va essayer de le suivre. S'il m'échappe pas. Il va peut-être m'indiquer par où faut passer pour rejoindre la zone. C'est quoi ça? Arrêt du spacebar. Voilà, c'est parfait, super, j'ai eu la bonne intuition. Fallait que je suive un joueur, parfait. Donc on est dans la bonne direction. Bon, je vais essayer de trouver un endroit où on peut faire pop un vaisseau. Normalement, je dois me retrouver avec mon petit Aurora MR, puisque la semaine gratuite étant terminée. Voilà, c'est bon, il y a le métro, on va essayer de le prendre. Mais je ne bug pas, c'est dingue. C'est dingue. Je ne bug pas. Oh, de justesse. Je l'ai chopé de justesse le métro. Voilà, on va se mettre bien. Voilà, pour en prendre plein les yeux. Voilà.
Et on va se laisser guider jusqu'au spatioport. Ah, oh, mais qu'est-ce que c'est cool, mais c'est pas possible. Là, il y en a un autre qui part à la zone. Oh là. J'ose pas imaginer quand il y aura plus de zones ouvertes, hein, qu'on pourra louer son appartement dans une ville comme ça. Ça va être quelque chose de fabuleux. Hein. Alors là, évidemment, c'est la phase où je rame le plus. Mais c'est normal, hein. Mais malgré tout, je ne bug pas. J'ai juste des petits freezes de temps en temps. J'ai pas eu de crash pour l'instant. Tout va bien, quoi. J'arrive à faire fonctionner la zone d'Area 18 et je peux me balader sur Arcorp, quoi. C'est dingue. Voilà, là on arrive donc dans la zone du spatioport. Et bonjour Digical, je savais pas que tu diffusais aujourd'hui. Je ne le savais pas non plus si j'allais être disponible, mais finalement j'ai réussi à l'être. En général, l'après-midi, j'arrive à streamer le mardi et le jeudi. Mais c'est pas tout le temps. Donc du coup, je continue de faire mes visites d'Arcorp et d'Area 18. Et je vais essayer de faire une mission de delivery qui va me rapporter cette fois. J'espère. Voilà, donc là, le spaceport, ça va être quelque part par là. Ouais, c'est ça. Tout ce que je veux, c'est la zone. Mais qu'est-ce que c'est classe, punaise. Je m'interromps sans arrêt, mais c'est pas... On peut pas faire autrement, quoi. Bah, sinon, ça va très bien. Peu dormi, mais... voilà, sinon, ça va très bien. Il faut que j'apprenne à faire des streams qui durent pas jusqu'à 2h ou 3h du matin, mais bon, sinon, à part ça, tout va bien. Ok, donc là, on a des ascenseurs. Et là, on a une belle vue encore. Où c'est un bug? Ah, c'est un bug, ok. Là, j'ai un petit bug. Ah ouais, d'accord, c'était un couloir qui n'était pas activé. Ok, on va attendre que la zone se charge. J'adore comment l'OCS procède, en fait, pour charger les zones. C'est quand même super bien fait. Donc, je vais attendre que mon processeur soit capable d'afficher tout ça. Customs Area, ok. Là, on remonte, je sais pas où. D'ailleurs, je sais même pas si on peut y aller par là. Est-ce qu'il y a un bouton pour aller pour atteindre l'ascenseur? Non, a priori c'est pas implémenté, c'est encore en construction. Ok. Ils ont même pensé à faire les zones en construction dans le jeu. Enfin c'est. Pff, regardez ça, les reflets dans le mur quoi, mais. Je sais pas comment mon PC est capable d'arriver à afficher des trucs comme ça sans crier au secours quoi. C'est fou. C'est fou. Allez, on continue. Profitons que ma petite config soit quand même capable d'afficher tout ça. C'est dingue, le boulot qu'ils ont fait sur... voilà, justement pour les petites configs comme moi, c'est vraiment génial. Ok, donc là on n'ira pas, donc faut aller tout droit. Là, c'est si on se fait gauler avec de la marchandise illégale, hein, voilà. On se fait choper par les douaniers là-bas. Donc, bah, ça doit être par là, j'imagine. Ok. Ok, ça doit être par ici. C'est immense, c'est absolument immense. Ah, c'est... quel plaisir, cette découverte. Quel plaisir. Ok, donc on va essayer de faire popper mon Aurora. Et pendant le même temps, je vais essayer de voir si je peux pas trouver une mission. Alors, à partir d'ici, ce serait bien. Ouais, donc voilà. Forcément, là, je ne retrouve plus que mon Aurora MR. C'est tout à fait logique. Hein, la semaine gratuite est finie. Donc, on va le claim. Donc, j'attends 5 minutes. Ça me va. Pendant ce temps-là, on va essayer de... Bon, on va s'asseoir. Hop. Voilà. Est-ce que j'ai toujours ma tête? Voilà, j'ai pas de main et j'ai plus de cheveux. Mais bon, sinon tout va bien. est-ce que...
Je peux faire popper une mission. Ah, le mobile glace il bug. Ça va être compliqué si je ne peux pas. Alors, est-ce qu'il faut que je me mette debout? On va se remettre debout. Est-ce que debout, ça bug pas? Ouais, là, ça bug pas, ok. Alors, on va... Donc, choisir une mission de livraison. Lyria, je suppose que c'est dans la zone de... Là où on se trouve, j'imagine. 7000 AEC. Ça à mettre où au spaceport de Tizéa. Je sais pas du tout où c'est. Je ne connais pas du tout. Riker, c'est pareil. Ah bah c'est ARA-18. Ah bah si, ici. Ah, il y a moyen de piquer un... De prendre un colis ici et il faudrait que je le livre à Magda. Sur la planète Magda que je ne connais pas du tout non plus. Alors j'essaie de pas trop me spoiler aussi, c'est toujours ça le problème. Pour prendre le temps de découvrir les planètes. Donc j'essaie de voir où il faut aller. Là je ne sais pas, je ne comprends pas. Si c'est sur Hearthstone. Ah ça pourrait être bien ça. On va retourner du côté d'Hearthstone. Ouais, je sais pas trop. Est-ce que je retourne sur Hearthstone? Avec mon... Je vais souffrir hein, avec mon Aurora. Ouais, du coup, non. On va rester dans le système de... là où on est. Donc, par exemple, la première, c'est très bien. Faut que j'aille délivrer ça dans le spaceport de Tisa. Je sais pas du tout où c'est. Écoutez, je prends une mission au hasard, on verra bien. On verra bien. Allez, j'accepte cette offre pour 7438 AUEC. J'espère que je vais arriver à faire la mission. J'en prends qu'une à la fois, hein, évidemment. Je suis en train de me demander, est-ce que je peux faire ce genre de mission avec mon Aurora? J'imagine que oui, hein. J'ai quand même 300 de cargo. Je pense que c'est suffisant. On va être fixé, hein, de toute façon. Il en est où, mon Aurora, là? Ah, faut que j'expédie, non, tu rigoles. Ah, mais c'est en... Oui, d'accord, il est en cours d'expédition. Ok, donc il me reste 2 minutes, parfait. 2 minutes à attendre, et puis on aura l'Aurora et on pourra commencer cette mission. Je vais en profiter pour regarder la Star Map. On va se mettre comme ça, hop. On va commencer à faire la cette route. Si je peux, est-ce que j'ai accès à la map? Elle n'a pas l'air de vouloir fonctionner, hein. Si. Ok, voilà, on est sur la planète Harcorp, on est d'accord. Et je dois aller à un spaceport dans l'espace, je sais pas du tout où c'est. Là, on a Lyria, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Lyria et voilà, dans ce système, d'accord. On a 2 lunes. Ok. Si je clique dessus. Donc j'ai 4 comorés et c'est tout. Et après tout se passe au sol. D'accord. Bon, bah écoutez, on va voir. Hein. Alors comment est-ce que je peux voir ma mission? Normalement, je dois avoir l'affichage de la mission. Ah bah oui, mais le HUD il bug. Ah! Le HUD il bug. Vous savez ce que je vais faire? Pendant que mon Aurora revient, je vais essayer de retourner dans la zone. Alors, faut que je fasse tout le chemin inverse, mais tant pis. Je vais essayer de retourner dans la cabine. Ah mais non, je ne peux pas retourner dans la cabine. Ah, je ne peux pas, une fois qu'on l'a quitté, on ne peut pas revenir dedans. Bon, je vais essayer de choper mon Aurora. Je vais faire un logout dans le lit de mon Aurora. Et puis j'espère que ça aura résolu le problème de bug d'interface, enfin du HUD que j'ai laissé dans la boutique de fringues, visiblement. Allez, 3 secondes. Parfait. Allez, on peut retrieve. Donne-moi la plateforme. J'ai adoré l'entrée d'ailleurs dans cette zone. Je pensais qu'on allait passer avec un pad par le dessus, mais non, pas du tout. On est obligé de rentrer dans une espèce de couloir avec un hangar caché,
C'était vraiment cool. Hangar 02, alors, comment est-ce qu'on se repère là-dedans? Punaise, comment est-ce qu'on se repère là-dedans? C'est par là, j'imagine. Je vais quand même voir si je peux pas choper mon truc ici, parce que je ne sais pas si c'est pas ici qu'il fallait faire la transaction. On va faire un pick-up, on sait jamais, des fois que la mission me permettait de délivrer, enfin de récupérer le colis d'ici. Non, on est d'accord, c'est pas ici qu'il faut le récupérer. Parfait. Donc on doit faire le tour. Ah ouais, c'est là-bas. C'est là-bas. Je crois reconnaître. Je suis passé qu'une fois hier soir, donc je me souviens plus, mais je crois que c'est ça. Voilà. Voile commercial. Et hangar élévateur. Ok, c'est parfait. C'est bien ici. Donc j'espère que faire un logout dans le lit du vaisseau, ça va me permettre de réapparaître ici. Je suis perdu. Il m'a dit hangar numéro 2, c'est où? C'est pas là. Hangar 1, 5, d'accord. C'est par ici, ok. C'est tellement grand. Par rapport à Port-Lizard, c'est tellement grand. Ok, donc hangar numéro 2, c'est par là. Ce serait celui-ci, techniquement, je vérifie. Bah ouais, mais là. Je vois mon Aurora qui est ici, c'est bizarre. Il apparaît quand même malgré le bug du HUD. Normalement c'est bien le 2, hein, je me suis pas trompé. Hein. On va vérifier tout de suite, mais je crois que je me suis pas trompé. Oh là, je me suis blessé. J'espère que je saigne pas, je peux pas vérifier. Comment ça se fait que je me suis blessé? Hangar numéro 2, allez, allons-y. On va s'éloigner de la porte, alors du coup je peux pas voir si je me suis blessé. Si je saigne, je peux pas le voir. Avec ce bug, je peux pas le voir. Ok. J'espère que je ne suis pas trompé, que c'est bien ce hangar. Ouais, c'est ça. Parfait. Voilà, mon Aurora est là. Ok, donc on va pouvoir se faire un petit logout dans le lit du vaisseau. Et j'espère que ça va régler le problème d'interface, parce que là du coup je peux pas voir où il faut que je récupère le colis. J'ai pas du tout l'indicateur de quête. Oh mais qu'est-ce que c'est chouette, punaise! L'ambiance quoi! Je retrouve tellement les ambiances des Wing Commander là, c'est fou. Si jamais vous l'avez pas fait, que vous avez l'occasion de refaire ces Wing Commander, enfin, ces séries de jeux, mais n'hésitez pas une seconde, quoi. Évidemment, ça a mal vieilli, mais... enfin, pas tant que ça, finalement, pas tant que ça, mais bon, c'est voilà, c'est tellement prenant, ces types de jeux, quoi. Allez, j'espère que je vais pas mourir en entrant dans l'Aurora. Non, ça va, même sans bras, même sans main, j'y arrive. Donc, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir se logout dans le lit. Te blesse pas, s'il te plaît, c'est pas le moment. Voilà, j'entre dans le lit. Parfait. C'est fou tous les détails qu'il y a, quoi. Même les coutures. C'est les coutures du cuir et tout. C'est vraiment, mais c'est magnifique ce jeu, franchement. Allez, on se fait un logout, ça. Salut, il faut que tu dézoomes la carte avec le clic droit de la souris deux fois sur la map. D'accord, merci Hooper, et du coup, bonjour à toi. Donc, est-ce que le logout a fonctionné? Ouais, je peux plus bouger la souris, c'est bon. Ça me délogue, on va pouvoir se reloguer. C'est parfait, j'espère que le HUD sera revenu, justement. Ok. Donc, on repart sur... le système Stanton. Quel jeu fabuleux, c'est dingue. Quel jeu. Je dis un jeu, mais c'est même pas un jeu encore. Et c'est déjà époustouflant, quoi. Allez. On repart sur ce serveur. En espérant que c'est réglé le problème.
Alors normalement, je ma mission. Ah bah oui, du coup, ça va faire quitter ma mission le fait de de faire un logout. Ah, c'est possible. Il va peut-être falloir que je recherche à nouveau une mission. Bon bref, c'est pas grave. De toute façon, s'il faut, je le ferai, hein. C'est pas grave. Quand tu déco comme ça, tu perds ta quête. Il en prend une. Parfait. Parfait, parfait. Bah c'est très bien. Je vais faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, j'aurai à nouveau l'interface parce que là, c'était pas possible. Et puis j'avais plus de mains et plus de cheveux. Alors, ouais, c'est bon. Ça marche bien, je suis pas dans une boucle. Donc je devrais réapparaître théoriquement dans mon Aurora. Maintenant, est-ce que je vais réapparaître à Area 18? C'est là toute la question. Est-ce que ça va fonctionner ou bien est-ce que je vais me taper un bug comme la dernière fois? Parce que la dernière fois que j'ai fait un logout. J'ai eu un bug, j'ai explosé au moment où je me suis levé de ma couchette, hein, le vaisseau a explosé. Donc, est-ce qu'on va avoir le même problème? Pas de bras, pas de chocolat. C'est ça. Pas de main, pas de mission. Allez, ça charge. Ok, c'est cool. C'est là que je suis bien content d'avoir un SSD. Ah mais je suis pas dans mon, mais je suis pas dans mon vaisseau. Mais il me relogue. Bon, après tout, tant mieux, hein. Je réapparais dans la chambre de d'Area 18. Bon bah écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Au moins j'ai pas de soucis. Donc on va ressortir du lit. Je pensais que j'allais réapparaître dans mon vaisseau, moi. En fait, on peut pas si on fait un logout et qu'on est stationné dans un hangar, eh bien, ça nous fait repopper dans les chambres, en fait. Ok. Bon, je vais pas retenter de toucher à quoi que ce soit dans la chambre parce que quand j'ai fait ça tout à l'heure, je suis mort avec une porte de placard, donc on va éviter. On va tout de suite repartir direction les hangars. Il faut se refaire le chemin, mais tant pis. Au moins j'ai mon HUD qui est prêt, qui est bien affiché cette fois. Je vérifie que j'ai récupéré mes bras et mes jambes. Parfait! Et mes cheveux. Donc tout va bien. Donc on est reparti. Oh. Je kiffe ces pubs. Allez. On continue. Non, je ne regarde pas la vue, sinon demain j'y suis encore. Allez. Alors j'espère que je vais pas trop vite pour mon processeur. J'espère qu'il est capable de tout calculer. Donc l'ascenseur va bien être là. Oui. Ok. Donc on va sur le ground floor. C'est parti. Ok. On va essayer de retrouver le chemin. Je crois me souvenir où c'est. Ah, la musique bug. Ok, donc là il faut que je passe. Je ne sais plus. Ça y est, je suis perdu. C'est par où? Zone 2, c'est par là. Ok, ça doit être par là. Pff, ces ambiances. Astro Armada, d'accord. C'est là-bas, j'imagine, où on peut louer des vaisseaux. Je peux pas tout voir. Il faut que je me concentre sur la mission. Si je vais essayer au moins de remplir un petit peu les caisses. Parce que là j'ai plus que 200 AIEC, il faudrait quand même que je me débrouille pour récupérer un petit peu d'argent. Surtout si je veux à terme acheter Dragonfly. Zone 3, ça a pas l'air d'être là, hein. Là, je suis perdu, ça y est.
Où est-ce que se trouve le métro? Voilà, ça me dit rien. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Ah, qu'est-ce qu'il y avait marqué au sol? Worker only, d'accord, donc c'est pas ici, effectivement. Ah, j'adore les PNJ qui ont leur propre vie, quoi, c'est vraiment génial. Je reconnais pas non plus là. Je suis déjà passé par là, puis là je suis perdu, ça y est. Le métro, il est où? Ouais, je reviens là où j'étais, où je suis arrivé en tout début. Ça y est, ouais, ok, je me souviens, c'est par là qu'il faut que j'aille. Je suis arrivé de par là. Pour une mission déjà, ben, je vais le faire quand je ferai popper mon Aurora. Donc j'attends de rejoindre cette zone déjà. Ouais, voilà, ça y est, je retrouve la zone centrale. Et donc normalement, c'est ici. Ça doit être... je ne sais plus, c'est par là, hein. C'est ici. Hein. City Flight Transit, oui, c'est ça, c'est par là. Ok. Donc, c'est bien par là. C'est tellement classe. Enfin, franchement, on se croirait vraiment dans un spatioport. C'est... c'est génial. Ok, donc ici c'est plateforme 1 et là plateforme 1 aussi, j'imagine que c'est pareil. Peu importe, ce que je veux c'est retrouver le métro. Ouais, c'est ça, on a les zones du métro ici, parfait, donc il faut plus. Il faut attendre justement qu'un métro arrive, très bien, j'ai retrouvé la zone. Alors effectivement, je pourrais presque prendre le temps de prendre une mission ici. Il y a combien de secondes? 137 secondes, je peux me permettre. On va se mettre ici. Oh, j'adore les effets de fumée, là. Qui sont colorés par les néons, mais c'est magnifique. Une mission. On va essayer de se prendre une mission. Voilà, ça fonctionne bien. Donc, je disais, est-ce que c'était celle-ci? Hardcore Mining sur Walla, pourquoi pas? On peut prendre ça, et par contre, faut aller à Hearthstone. Alors, peut-être pas avec mon Aurora. On va essayer de rester sur dans le coin, pour être sûr. Là, je ne sais pas où il faut aller, je ne connais pas, donc je vais pas la prendre. Il faut que je prenne un paquet à Hardcore Maniera, ça pourrait être sympa de faire ça, et il faut que je les livre à leur ville. Ah, c'était déjà plus près, ça pourrait être faisable, ça. Qu'est-ce que c'est, ça, ici? De Lyria, faut aller à Aberdeen. C'est pas du tout dans le même système, là. C'est pas du tout autour de la même planète. Je cherche quelque chose dans la même autour de la même planète. Donc autour d'Arcorp, de Walla, ah, ça je ne sais pas où c'est, donc je ne sais pas non plus, ici c'est de Lyria à Ita, je ne sais pas du tout, je suis complètement paumé dans les, je ne sais pas du tout si c'est dans le coin, c'est des stations dans l'espace, les ARA, d'accord, ok, donc ce serait dans l'espace autour de là où on se trouve. Comment je peux savoir ça? Ah, je peux pas savoir. Là, je vais pas prendre les trucs direction Hearthstone, on est d'accord. Alors attendez deux petites secondes, je regarde juste avec la Star Map. Attendez. Ah, le métro y arrive. Le métro arrive, donc on va le prendre. Ok. Voilà, on va se poser ici. Et on va essayer de choper la mission. Faut que je dézoome la carte, oui, tout à fait. Tu m'as dit deux fois
pour une fois dessus. Non, ça marche pas, faut que je fasse des zooms à la main, à la molette. Ok. Si je fais ça, hop. Voilà, on a Lyria et voilà, ok. On a des comarées, ok. Donc ça c'est bon. Vas-y, je voulais pas virer la map. Virer la. Le Moby Glass. Alors, voyons voir. Donc là de voilà pour aller à Hearthstone, donc j'ai dit non. Ça c'est. Donc des stations à l'espace, mais je ne sais pas si c'est dans le coin. Ici, Hardcore Planning, voilà. Bah voilà. Ah oui, mais par contre, il faut aller à leur ville. C'est peut-être un peu loin, ça va peut-être faire un peu loin en. En Aurora. C'est dommage, ça aurait été sympa. À la limite, je prendrais celle-là si les autres. Ouais, on a Lyria ici. De voilà. À Ur, elle. Alors ça, je ne sais pas non plus. Ouais, bouton de la souris deux fois, c'est ce que j'ai fait. Comment je peux savoir? Lyria, Ita, non, c'est pas ici. Là, on repart de Hearthstone. Et là, on parle de Lyria Hearthstone. Et là, Aberdeen. Ok, donc la limite, celle qui me conviendrait mieux, ce serait celle-là. Même si c'est pour aller à leur ville après. Pourquoi pas? Je vais descendre du métro d'abord. On va faire popper l'Aurora. Oh, c'est tellement classe, ils arrivaient là, comme ça, en métro. Ah, y a rien. Ur veut dire autour d'Aston, d'accord. Oui, ce serait logique, effectivement. Oh, c'est tellement la classe. Ok. J'ai pris quoi comme dégâts là? J'ai pris des dégâts, je ne sais pas pourquoi. J'ai heurté un truc invisible, j'en sais rien. Je sais pas, j'ai eu des trucs bizarres. Ok, mais apparemment je ne saigne pas. Donc continuons. Ah, il faut que j'attende que ça pop, parce que là l'OCS ne veut pas. Donc on va attendre, j'espère que ça va apparaître. Voilà, pendant que le métro s'en va. Allez, ça va finir par marcher. J'ai marché sur un Lego, c'est ça. C'est tellement ça. Voilà, la zone est apparue. Ok, c'est bon. Oh, il est déjà 3h30 passé, c'est fou quoi, comment on voit pas le temps passer dans ce jeu, mais c'est dingue. Ok, on continue. Alors après, si je ne cours pas, c'est fait aussi exprès, hein, pour justement laisser le temps à l'ECS de charger les environnements au fur et à mesure que j'avance. Parce que mon processeur est quand même au bout de sa vie là, donc j'essaie de le ménager autant que je peux. Allez, on va faire popper l'Aurora. Ok, retrieve. Ah bah je peux l'avoir direct, en plus c'est parfait. Vas-y, dis-moi tout. Hangar numéro 1, d'accord? C'est facile à retenir, c'est le numéro 1. Je vais tout de suite regarder donc la mission. Alors, est-ce que je vais prendre celle-là? Écoutez, de toute façon, on s'en fout. Hein. C'est vraiment pour... Ah ouais, je vois que je suis blessé aux jambes. Quand ça clignote, ça veut dire quoi? Que je suis en train de saigner? Donc, il faudrait peut-être que je me soigne, alors. Peut-être que je me soigne avec un midi pack. Voilà, je suis équipé. Comment on fait pour l'utiliser déjà? C'est quelle touche? Je peux pas cliquer dessus comme ça marche pas. Ah zut, je sais pas quelle touche c'est. Quand on est à pied. Donc on peut pas le faire d'ici directement, il faut le faire depuis l'interface de base. Comment est-ce que je peux voir ça? C'est quelle touche? Ah, c'est pour sortir le flingue. Donc c'est quoi la touche pour sortir le médicament et se soigner?
pour se faire une piqûre. Faut que je regarde hein, dans le. Faut que je regarde là-dedans. C'est, tu crois? Ok. Ah oui, c'est parfait, merci. Ok, je l'avais jamais fait encore, donc ok, ça a bien marché, je ne suis plus blessé. Donc on va pouvoir faire la mission vite avant que l'Aurora dépop. La mission pour Hearthstone. Au moins qu'elle n'y soit plus. Évidemment, elle n'y est plus. Ah, punaise. Si, c'est celle-là. Voilà. Hardcore Panning Era, ouais, c'est ça, pour aller à leur ville. Ok. On va essayer de faire ça. Je sais pas du tout si on va y arriver, hein, mais on va essayer. Donc, normalement, ça doit mettre le track. Voilà, le track de la mission, il apparaît très bien sur le HUD, il n'y a pas de souci. Et donc, allons-y. Donc, hangar numéro 1. Parfait. C'est tout à fait l'autre bout là-bas. Parfait. Je vérifie que voilà, tout va bien avec mon perso. Pas de soucis, je suis en entier cette fois. Ok, hangar numéro 1, c'est celui-ci. Parfait, j'appelle l'ascenseur. En espérant qu'il soit là, j'ai toujours ma combinaison qui fuit, mais ça c'est pas grave. Ok. C'est bon, je me suis pas blessé. On est parti pour hangar numéro 1. Voilà, c'est parfait. Bon, j'espère que cette fois-ci, je vais réussir à faire la mission jusqu'au bout et que je vais être payé. Pas comme hier soir, hein. J'ai réussi la mission, mais je n'ai pas été payé. Le paiement n'a pas fonctionné. Voilà, j'ai bien mon vaisseau qui m'attend, c'est parfait. Qu'est-ce que c'est chouette. Donc là, c'est une sortie vers le haut, hein, et pas comme quand je suis rentré la première fois où c'était un hangar sur le côté, une porte sur le côté. C'était d'ailleurs très, très sympathique de faire l'entrée comme ça, dans cette espèce de couloir avec les hangars sur les côtés là. C'est vraiment classe. Ok, j'ai réussi à rentrer, parfait. On va pouvoir rentrer en siège, on va y arriver, on va y arriver. Alors, j'espère que je vais pas être bloqué. Voilà, on met l'énergie. Ok. Alors, est-ce qu'il faut que je demande la sortie? Ou est-ce que ça se fait automatiquement? Est-ce qu'il faut que je demande la sortie? Si je fais ça. Ouais. On va dire que c'est bon, hein. Je mets les gaz. Ta combinaison, c'est une châle comme une espèle. C'est ça. Alors, j'espère que le plafond s'est ouvert. Sinon. Je suis mal barré, je vais même me mettre en vue F4 pour être sûr. Oui, c'est ouvert. Ouais, c'est parfait. Nickel, donc on peut sortir l'Aurora de la zone d'area 18. Pff, punaise, qu'est-ce que c'est stylé, nom de Dieu. Ok, je rampe mes trains et on est parti. Alors, on va prendre un peu d'altitude pour être sûr de. Sortir de la zone d'exclusion. Oh là là là, qu'est-ce que c'est beau! Punaise! Et puis là, j'ai mes vues qui sont déjà programmées, c'est parfait. Punaise! Oh la beauté de ce jeu! La beauté de ce jeu! Ouais, il faut bien demander, d'accord. Ok, merci Hooper. J'avais un doute, mais effectivement, si j'avais pas demandé, j'imagine que ça ne se serait pas ouvert. J'en perds ma voix.
Attends, on peut se balader à l'infini là-dessus. C'est... Quand je revois hier l'arrivée avec comment dire sur les espèces de raffineries de pétrole, là, qu'est-ce que c'était beau. Mais qu'est-ce que c'était beau avant d'arriver à Era 18, là. C'était magnifique. Oh là, regardez-moi ça, mais comment c'est chouette. C'est, il y a toute la population de la galaxie sur cette planète en fait. C'est fou quoi. Ah, c'est magnifique. C'est absolument somptueux. C'est déjà magnifique de jour, mais alors de nuit, c'est un festival pour les yeux. Et puis c'est fluide quoi, j'ai pas de problème d'oscillation d'OCS comme j'avais la semaine dernière, mais c'est fantastique. Je vais être à 20 fps la maximum, mais au moins je les ai quoi. Ça chute pas quoi. Oh là 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 là. Punaise, c'est splendide. Alors si je me mets en vue pilotage. Non, c'est pas comme ça, c'était comme ça. Non, c'était pas cette vue-là. Ah, c'est sympa aussi comme ça. Non mais j'aurais voulu la vue de base. Voilà, juste pour le plaisir de balader comme ça entre les immeubles. Est-ce que je peux faire ça? Et ça y est, je suis en train d'oublier la mission. Bon, évidemment, je sais que je peux me poser sur les plateformes qu'il y a sur les buildings. Je l'ai fait en arrivant. J'ai d'ailleurs halluciné, je pensais même pas que c'était possible. Alors, si je réduis un peu ma vitesse. Voilà, pour en profiter un peu mieux, ce sera plus cool. Oh là là, c'est génial, on peut se balader entre les immeubles. Alors, je ne sais pas jusqu'où, bien évidemment. Mais on a envie d'aller tout en bas, là. Ouais, j'entends l'alerte de la proximité d'exclusion de vol. Oh, mais c'est génial. Mais regardez-moi ça, ce qu'on peut faire, quoi. Mais je vous promets, c'est un rêve de gosse. Hein, qui se réalise, quoi. Il ne manquerait plus qu'ils puissent mettre la VR et que je puisse me procurer le l'HTC Vive ou l'Oculus Rift, punaise. Là c'est bon, j'ai ma cam pour les 20 ans à venir. Pff, c'est fantastique. Bah, c'est magique. C'est tellement beau. C'est tellement beau. J'espère que vous arrivez à apprécier autant que moi j'apprécie. J'espère que ça reste beau à regarder sur le stream. Hein. Mais alors moi, c'est un pied phénoménal. Ma première découverte Dark Corp, c'est quelque chose. La vache. Je m'attendais pas à ça du tout, quoi. Je savais que ça allait être impressionnant, mais à ce point-là... On voit même la circulation, quoi. C'est... Bon, pour l'instant, on voit que c'est succinct, hein, la circulation au sol, mais c'est là, quoi. C'est là, et ça... voilà, côté immersion, c'est top, ultra top. Quel pied. Et les musiques sont magnifiques, même si de temps en temps elles coupent. Elles sont sublimes. Bon, j'étais parti pour faire une mission, hein, vous souvenez? On va essayer de la faire quand même. Hein. Donc, est-ce que d'ici, je peux faire mon trajet depuis Arcorp?
Donc il fallait que j'aille où pour prendre. Ah zut, j'ai oublié. Non, ça doit être marqué, mais voilà, comme j'ai. Faut d'abord que je regarde le contenu de la mission, parce que là je me souviens plus le nom. C'était. Area 48. Harcourt Manning. Area 48. Ok. Sur Walla, d'accord. Faut d'abord que j'aille sur Walla, parfait. Et ensuite je vais à leur ville. Parfait, bon on va faire ça, c'est très bien. Donc je quitte la planète. Je vais voir si je peux faire tout de suite la route d'ici. Ouais, Area 048, c'est ça, merci Hooper. Donc, on dézoome et on va choper. Alors, si je double-clique dessus, voilà. C'est plus simple, voilà, il y a le pick-up qui est marqué, c'est parfait. Donc, je vais faire cette route. Je ne veux pas faire ma cette route. Il faut que je sorte en orbite, j'imagine. Parce que là, ça ne veut pas marcher. Bah si, voilà. Bah si. Je dis des bêtises, ça s'est déjà fait. Ok, parfait. Donc, allons-y. Donc, ça va être derrière nous, visiblement. On va essayer de se positionner correctement par rapport à l'orbite. Pour entrer dans la... Ouais, d'accord, ok. Donc, ça va être par là. Bon, peu importe, on s'en fiche. Allez, on grimpe. C'est parti. Plein pot. Voilà, on quitte cette magnifique ville pour... Ah, j'ai l'alarme de proximité qui s'est enclenchée, elle ne veut plus s'en aller. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Pour l'instant, heureusement, elle n'apparaît qu'en vue arrière. Si je me remets comme ça, on ne l'entend plus. Ouais, c'est vraiment parce qu'elle est dans le cockpit. Ça va être pénible dans le cockpit, mais bon, c'est comme ça, malheureusement, ça bug. Allez, on fonce. Je suis au maximum de mon petit Aurora. Rien que le fait d'être là en Aurora, je kiffe. C'est tellement improbable. J'ose pas imaginer le trajet qu'il doit y avoir à faire pour aller jusqu'à Hearthstone. Depuis Harcourt en Aurora, mais ça va être... je sais pas, on passe 20 minutes. On doit passer 20 minutes dans le Quantum, quoi. J'ai pas les chiffres hein, de ce que ça prend comme temps, mais ça doit être quelque chose comme ça, quoi. Ouais, c'est magnifique, punaise. Comment est-ce qu'on peut se lasser, quoi, c'est... Alors c'est sûr que si on passe un an sur la même mise à jour, je dis pas, hein. Je dis pas qu'au bout d'un moment on fait le tour, mais quand même. Je suis sûr qu'avec mon sens de l'exploration, je suis capable de vous trouver un truc que personne n'a vu ailleurs. même au bout d'un an. Ok, donc là on rentre dans l'espace. C'est parfait. Donc, je vais peut-être pouvoir commencer à lancer le quantum. Ok, je me remets en vitesse réduite. Hop. Pas trop consommer de fuel. On va faire B. Oh là, il tremble de partout, mon pauvre Aurora. C'est curieux, on n'a plus l'alerte de proximité qui retentit là. Bah, tant mieux. Hein. Donc je fais B pour checker les zones pour sauter. Voilà, on va essayer de se caler dessus. Donc effectivement, ça va être de l'autre côté. Ça va être de l'autre côté. Donc il faut que je prenne. Comment ça se fait que j'ai pas les. Ah, me dites pas que j'ai un bug de quantum. Ah, punaise. Parce que là, je suis pas du tout du bon côté, là. Bon, je vais m'éloigner encore. Allez, on s'éloigne. Peut-être que je suis pas assez loin. Je suis peut-être pas assez loin de la planète.
Non, tu peux faire ça. Tu crois que je peux traverser la planète? Écoute, je vais essayer. Ça me paraît curieux. Ça me paraît pas très logique, mais bon. Ouais, non, non, mais c'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est que je vais faire un trajet courbe autour de la planète. Ok, bon, écoute, on va tester ça. J'espère que ça fonctionne, parce que c'est pas buggé. Voilà, c'est ici. Il faut que je me rende là. Mais de l'autre côté de la planète. Donc si j'appuie sur B et que je laisse enfoncer, ça m'est obstrué quand même. Hein. On est d'accord, hein. Ça me met bien obstrué. Hein. Et je peux pas sauter. Hein. J'appuie sur B, ça ne marche pas. Hein. Donc il faut que je fasse le tour, on est d'accord. Hein. Je vais m'éloigner plus pour briser l'angle qui m'empêche de sauter là. Je vais aller plus loin dans l'espace. Par contre, je suis en train de dériver du mauvais côté. Voilà, je pense que c'est là, c'est bon. Ouais, ils ont changé le truc apparemment. Donc là, ça peut être vraiment bloquant, quoi. Et ce qui m'inquiète, c'est que quand je cherche les points de saut, ils n'apparaissent pas. Donc à mon avis, le quantum est buggé. C'est pour ça que je fais l'effort de m'éloigner d'Arcorp comme ça à la main. Alors je vais consommer tout mon carbu, c'est ça qui m'inquiète. Quoique je suis pas obligé de consommer tout mon carbu. Si je me remets à zéro, là, je continue d'avancer, on est d'accord. Normalement, je ralentis pas là. Ouais, il me fait l'animation de ralentissement, c'est inquiétant. Mais normalement, je vais possiblement toujours à la même vitesse. Eh non, ma vitesse baisse. Hein. Normal, il faut que tu clean ta route et tu sautes sur un OM. Parfait, on va faire ça. Clear route. Mais j'ai pas d'OM. J'ai pas d'OM qui apparaissent. Donc on va essayer de prendre par exemple le Comeré qui est ici. Il doit se trouver par rapport à moi du bon côté. Je check. Voilà. Là, ça marche là. Si je fais B. Ouais, là ça fonctionne. Parfait, merci Looper. Faut que j'apprenne à maîtriser tout ça, mais bon. Voilà, ça prend le temps. Ouais, super, ça marche. On va y arriver. Donc comme ça, je m'éloigne de la planète et je pourrai retourner sur Walla. Ça posera pas de problème. Oula. Oula, il a du mal, mon processeur. Allez, vas-y, tiens le coup. Ok. Donc maintenant, je peux aller à Walla. Voilà. Je check cette route. Voilà. Voilà. C'est parfait. Et on va pouvoir se diriger dessus cette fois. Il me reste 80% de carburant, ça devrait le faire. Voilà, parfait, impeccable. Attention. J'enclenche la calibration. Ouais, c'est ça, faut que je clique sur la planète, d'accord. Et je lance le quantum. Parfait. Enfin, on est parti. Direction le pick-up. Et voilà, c'est parti. Bon, parfait, c'est nickel. On se débrouille, on se débrouille. Même en Aurora, on arrive à se débrouiller. Ok. Allez, maintenant on check le. Ah, ouais, d'accord, si je suis pas. Voilà, c'était pas fini, d'accord. Voilà, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. C'est à 300 km. Est-ce que je peux le faire en quantum? Il va être d'accord? A priori, oui. C'est parfait.
Donc je ne connais pas du tout cette planète, hein. Je ne sais pas du tout comment elle est. Donc je vais juste aller chercher mon petit paquet, je vais essayer de pas me spoiler. Zut, ça, j'ai éteint le quantum. Quelle andouille. Voilà, c'est vraiment pour pas me spoiler, je reviendrai plus tard dessus pour faire une explo vraiment approfondie, tranquillement, pour vraiment vérifier tous les types de biomes qu'on peut trouver, etc. etc. Là, on va se contenter de faire la mission, on va essayer du moins. Ok, on est à 50 km. Parfait. Et là, il n'y a plus qu'à foncer, on y va. Je vais essayer de faire attention à mon carburant, on va pas trop forcer sur les moteurs. km. On a toujours le bug de l'alerte, mais c'est pas grave. Alors, de quel type de planète il peut s'agir? Ouh, il y a l'air d'y avoir pas mal de montagnes sur cette planète. Déjà, est-ce que c'est une planète? Non, c'est une lune, hein. Bon, si tu connais pas la lune, ton colis est pas livré. C'est exactement ça. Je vais faire l'effort, hein. Je vais faire l'effort parce qu'il est quand même 16 h. J'aimerais bien arrêter le stream idéalement à 16 h 30. Donc, est-ce que je vais réussir mon challenge de livrer ce colis sans être happé par tous les screenshots qu'il va y avoir à faire? C'est une autre histoire. On est à 10 km. Bon, l'avantage, c'est qu'elle est dans le noir. Donc ça, c'est bien. Elle est dans le noir. Ok, il avance pas trop vite. Sors les trains. Parfait. Alors je peux me poser sur la plateforme, mais je suis pas obligé, hein. On va se poser à côté. Ok, j'ai de la place par là. Je vérifie que j'écrase rien. Ok. Parfait, on a réussi. On coupe les moteurs. Ok, j'essaie de ne pas regarder l'environnement. Mais bon, l'avantage, c'est que c'est dans le noir. Parfait, c'est coupé. On va essayer de sortir de l'Aurora. Voilà, je suis désolé pour l'alarme, hein. Si ça vous saoule. Oh là, oh là, oh là, oh là! Oh là! Oh là là! Oh le bug! Je suis passé à travers le plancher. C'est l'alarme qui a fait bugger. On va s'éloigner vite de l'Aurora. On va essayer de choper le colis. Oh, c'est quoi qu'il y a au sol? C'est des cristaux? Non! Il y a des cristaux sur la planète? La mission. J'ai une mission effectuée. Sympa la sortie, n'est-ce pas? Heureusement que je suis pas mort, hein. Oh, super, la porte qui se referme derrière, devant moi, j'adore ça. C'est dingue. Les portueuses. Tout se déglingue, ça y est. Ok. Alors, j'ai un paquet ici. Ah, d'accord. Faut que je le prenne dans la boîte, dans le distributeur ici. Ok, donc là, on est. Bah, je sais pas, on est chez Amazon apparemment.
Bon, très bien. Allez. Voilà, le colis est pas livré. Non, mais c'est clair. Non, mais j'essaie de me concentrer, hein. Je fais vraiment un effort, hein. Allez, donne-moi mon colis. Parfait, on carry ça. On est reparti. Voilà, hop. Je sais pas comment ils ont fait là au niveau des menus comme ça interactifs pour pas qu'ils se mélangent les uns les autres. Entre le colis qu'on a dans les mains et les boutons qu'on peut activer, des portes, etc. J'ai dit que je ne regardais pas. C'est là que je tombe sur un énorme cristal. En tout cas, ici, il y a des raffineries. Je sais pas ce que c'est. Ça pompe. Là-bas, on peut faire popper des véhicules terrestres. Là où il y a la lumière bleue. C'est bon à savoir, mais malheureusement, je n'en ai plus. Il faut que j'en achète maintenant, parce qu'évidemment, c'est plus gratuit. J'étais chez AliExpress, d'accord. Bon, comment je vais faire? Est-ce que j'ai même pas fait gaffe comment on mettait du cargo dans l'Aurora? Je ne sais même pas comment on fait. Est-ce que je peux aller dessous? Il n'y a rien hein, pour choper du cargo là, on est d'accord. Faut que je rentre normalement dans mon vaisseau. Il n'y a pas de bouton pour ouvrir une porte ou un truc comme ça. Hein. C'est hyper chiant l'alarme, mais c'est comme ça. Attention, il va avoir une ampoule. Il va avoir une ampoule, il va tout stopper. C'est ça. Bon, je suppose qu'il faut que je mette ma caisse directement posée comme ça dans mon Aurora. Ça me paraît bizarre, mais. C'est derrière mon siège. D'accord, merci pour le tuyau. Allez. Essaye de rentrer avec ta caisse sans te casser la figure. Sans perdre la caisse. Voilà, super. Et donc, derrière mon siège, je peux la poser là, tout simplement? C'est ça? Non, parce que là, il y a mon lit, on est d'accord. Donc, la zone de cargo, c'est ça, là. Oh, punaise. Bon, bah, allons-y. On va la poser là. Donc, je place ici, j'imagine. Ça va être assez bizarre, mais. C'est pas vraiment là que je voulais la mettre, mais bon. On va dire que c'est bon. Est-ce que je peux passer sans la bousculer? Oui, c'est bon. Allez, on repart. Parfait. Ok, j'ai bien l'énergie qui est ok. On rallume les moteurs. Et là, on part pour leur ville. Parfait, on décolle. Ok, je rentre les trains. On accélère. Voilà, je vois ma destination qui est là-bas. Non, c'est là d'où je venais. Ouais, ok, bon, on va tout de suite partir en orbite. Ok, allons-y. Ok. S'éloigne de la planète. Si je pouvais avoir mes 7000 AUC là, ce serait cool. Il m'en resterait plus que 60 000 et des poussières pour avoir le Dragonfly. Ok. Alors.
On va aller vérifier l'endroit où il faut livrer le colis. Donc on dézoome, on dézoome, on dézoome. Donc on a dit Lorville. C'est où Lorville? On a Arcop, c'est là. Ah ouais, c'est ici. Delivery, drop-off. D'accord. C'est ici. Parfait. Et il faut que j'aille à... Hearthstone directement. D'accord, c'était Hearthstone. Parfait. Donc, je set la route. Voilà. Parfait. Nickel. Et là, normalement, je dois pouvoir me diriger... Voilà, le point est juste là, c'est parfait. Ça calibre. Très bien, je lance le quantum. Parfait, c'est complet. Et on est parti. Ouais, ça marche. Nickel. Nickel. Alors, je vais rester bien sagement dans mon siège pour pas bousculer la caisse qui est derrière, parce que... J'ai pas vu que ça la fasse bugger, je vais essayer de remplir cette mission entièrement et être payé cette fois-ci. Bon, Hearthstone, je connais déjà, hein. C'est le premier endroit où je suis allé, sans savoir d'ailleurs, je savais pas du tout où j'allais. Quand j'ai... Quand j'ai lancé le jeu, j'ai fait un saut à Hearthstone direct. C'est comme ça que j'ai découvert. C'était en 3.4 à l'époque. C'était juste les derniers jours de la 3.4. Donc je vais voir si ça a changé par rapport à la 3.5. C'est parfait. Et apparemment, ça a dû changer. Mais j'avais déjà été scotché par ce que j'avais vu. À la sortie, enfin en dehors de leur ville, plus que leur ville même, presque. C'est l'occasion de voir ça. Et puis, bah, pourquoi pas terminer ce stream justement avec une petite sortie dans la campagne environnante de leur ville. Je pense que ça peut être sympa. Dans les forêts, là, ça peut être vraiment sympa de se promener. Comme ça, juste se balader à pied. Peu importe, hein. Ah d'ailleurs, je suis en train de me demander est-ce qu'on peut sortir à pied de leur ville. On m'avait dit que oui, je crois. On peut sortir à pied. Comme ça, je peux laisser le vaisseau docké à leur ville. Parce que sinon, ça va me faire repopper à... Area 18. Bon, après, on s'en fiche, c'est pas grave, mais... Allez, 17 millions de à parcourir, ça va, c'est pas trop long. Même en Aurora, ça reste faisable. Alors hier, dans le Cutlass, quand j'étais en Quantum, justement, entre Port Elisar et Arcorp, j'avais une alarme qui s'était déclenchée, une alarme de surchauffe, et je ne sais pas du tout. Enfin, je ne savais pas du tout comment on pouvait régler ce problème. Ça tournait en boucle. On me disait que j'avais le moteur qui, enfin, l'énergie qui surchauffait, et je ne voyais pas comment résoudre le problème. Je ne sais pas si c'était un bug ou quoi. Là, ça n'a pas l'air de le faire. Bon, on entend toujours l'alerte de proximité, mais bon, c'est pas grave, ça bug depuis le début. Hein? Allez, 13 millions de kilomètres. Ah, les effets de particules, ils sont toujours aussi bien faits, quoi, ça. C'est fou.
Donc là, il faut que je rentre à leur ville directement, hein, c'est ça. Ok. Ah. J'ai eu un freeze. Mais ça va, tout va bien. C'est vachement bien fait. On voit ma caisse qui vibre. On voit ma caisse qui vibre avec le quantum. Ouais, les effets sont vraiment chouettes, hein. Alors, il nous reste combien? 8 millions de kilomètres à parcourir. On est bientôt arrivé. Je fais à peu près du 100 millions de kilomètres à la seconde. Non, toutes les 2 secondes. Allez, j'aimerais bien réussir cette mission, ce serait cool. Si je pouvais avoir mon Dragonfly, que je puisse faire popper sur les planètes, quand c'est possible, ce serait quand même vraiment cool. Je me suis tellement amusé avec cette semaine là. Sur Yela notamment. Ça donne qu'une envie, c'est de recommencer. Allez, 5 millions. ,5 millions, on approche. On devrait voir la planète qui devrait grossir, mais pour l'instant on a le logo là en face, donc c'est un peu compliqué le logo de la mission. Donc on ne la voit pas émerger. Voilà, 3,5 millions. Qu'est-ce qu'elles sont belles les musiques du jeu, c'est fou. Elles sont planantes comme il faut, quoi. Donc c'est à la porte numéro 3, faut pas que j'oublie qu'il faut livrer le colis. On va essayer de trouver ça. Allez, en approche finale. 1,5 million de kilomètres à faire. Et on voit toujours pas Hearthstone, c'est bizarre. À partir de combien de kilomètres est-ce qu'on peut commencer à l'apercevoir? Bon, après elle est peut-être cachée. Ah bah là je commence à voir les. Ah voilà, ça y est, elle apparaît. D'un seul coup, paf. Ok. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi celle-là, punaise. Parfait! On est arrivé. Alors maintenant je vise cette zone. 2 millions de kilomètres. Est-ce que je peux y aller direct? Ah non, c'est l'autre côté de la planète. Ah, c'est l'autre côté. Est-ce que ça va le faire quand même? Est-ce qu'il va vouloir calibrer dessus? On va voir. Hein. Oui, il se cale dessus. Super. Allez, 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 allez. Vas-y, vas-y. Parfait.
fait mon retourner pour mettre face à ma destination. C'est parfait. Il me reste 300 km, c'est toujours pas fini. 100, 60, 50 km et je suis arrivé, d'accord. Là je peux diriger le vaisseau. Voilà, parfait. 40 km. On va y aller tranquillement. Ok. J'ai des vibrations là. L'aurora il tremble de tout ce qu'il peut en passant dans l'atmosphère. Waouh, punaise, qu'est-ce que c'est beau aussi, hein, la vache. Là aussi j'ai rien visité pour l'instant. Hein. J'ai juste fait un petit tour aux alentours pour l'instant, j'ai rien vu encore. Alors c'est la porte numéro 3, hein, on est d'accord. Donc, il faut que j'aille ici. Ouais, c'est bien là-bas, ok. 30 km. J'ose pas accélérer plus. Ah, pourquoi il se coupe? Je crois que tu te coupes justement. Ben, pourquoi c'est bloqué? Je rentre en zone d'armistice, ok. On dirait que je suis bloqué, ma vitesse est bloquée, comment ça se fait? Ouais, j'ai des problèmes de... C'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que ma vitesse est bloquée? J'accélère bien, il n'y a pas de souci. Là, je suis bloqué à une certaine vitesse, comment ça se fait? C'est bizarre, ça... j'ai pas rentré mes trains, ah, si pourtant. Et là, je peux pas accélérer. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Ça marche tout seul, je sais pas, j'ai un bug, je sais pas, c'est bizarre. J'arrive pas à pousser la vitesse plus que ce que j'ai là, c'est étrange. Donc, où est-ce qu'il faut que j'aille? C'est bien là, hein, on est d'accord. La vache, j'ai du mal à stabiliser la l'aurora. Donc là, on survole leur ville. On n'est pas en plein centre, hein, on est sur la porte numéro 3. Ok, c'est bien là-bas qu'il faut aller, mais est-ce qu'on y passe par là? Est-ce qu'il y a une porte d'entrée par là? Ouais, je vois la zone d'exclusion qui s'affiche. Attendez, je suis un peu perdu là. On est d'accord. Faut que j'aille en bas là. Mais comment est-ce qu'on fait? Si je peux pas demander l'autorisation d'atterrir, ou alors s'il faut que je le fasse avant. Ouais, parce que là j'ai bien la zone de restriction qui va apparaître. Bon, je vais demander l'autorisation d'atterrir, on sait jamais. Merde, c'est pas ça, c'est cette touche, voilà. Et elle n'apparaît pas. Ok. C'est un peu embêtant. J'ai que le global channel. Donc visiblement je suis pas au bon endroit. Ouais, c'est pourtant ici, il faut que j'aille. Hein. Donc on va se mettre à l'extérieur. Je vais voir si je peux rentrer par là. C'est peut-être une porte externe tout simplement, il n'y a pas de. Ah ouais, mais je peux pas. Mais il me met la zone d'exclusion. Ah, si, par là je peux. Là j'ai pas la zone, d'accord. Ah bah si, je l'ai. Si, je l'ai. Je comprends pas tout là.
Où est-ce qu'il faut que j'aille si ma zone de livraison est ici? Comment je fais pour y aller? Je peux toujours pas demander l'autorisation d'atterrir, donc je fais comment? Ouais, on voit bien la porte, d'accord. Donc il y a une zone au-delà de laquelle je peux atterrir. C'est quand même bizarre. Si je continue d'avancer par là. Ouais, apparemment j'ai plus de zone de restriction à partir d'ici. D'accord. Ouais, là je peux atterrir. Ok. On va essayer de se poser par là. Je sors les trains. Ok, je me mets à plat et on descend. Normalement, je suis bon là. Ok. Voilà, l'environnement est chouette aussi ici. Punaise. J'espère que je vais pas avoir trop de chemin à faire avec ma petite caisse. Mais a priori, la porte est juste derrière moi. Ok. Allez, on se pose en douceur. Parfait. On éteint les moteurs. Ok, c'est bon. J'attends que tout soit bien éteint pour sortir du siège, sinon ça va encore bugger. Parfait. Wow, il y a des tornades de. Comment on appelle ça? Ouais, des tornades de déchets qui virevoltent devant moi. Trop marrant. Allez, je vais essayer de sortir du siège. Sans bugger. Oh punaise, ça bug. Oh, ça bug. Ah, je me retrouve à l'extérieur. Non, mais c'est quoi ce bug? Comment ça se fait que j'ai ce bug à chaque fois? Du coup, quoi, je fais comment pour récupérer ma caisse? Je vais remonter dans. C'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre ce bug. Je suis obligé de remonter dans mon vaisseau pour pouvoir choper la caisse, quoi. Allez, dis-moi que je vais réussir cette mission. Donc on va pas marcher sur la caisse, voilà, on va se mettre là. On va reprendre la caisse dans les mains. Oui, ça marche. On va essayer de sortir sans bugger. On va faire un petit exit right. Ouais, Hearthstone aujourd'hui, bah c'est au fil des. Non, ça va marcher. C'est au fil des missions en fait. J'essaie de voir tout ce que je peux faire. Bon, super, je suis coincé dans mon. Je suis coincé dans mon Aurora. Est-ce que si j'ouvre la porte, ça va marcher? Si je sors comme ça, je me tue, hein. Écoute, on va essayer. Non, ça a marché. Ça a marché, je suis pas mort. Bon, alors donc je vais essayer de trouver. Par contre, faut que je ferme la porte, ce sera bien. Si je peux fermer la porte, ce serait mieux. Hein. Close door, voilà. Parce que là, la porte n'a pas voulu fonctionner. Bon, c'est pas grave. Enfin, la descente automatique. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, nom de Dieu! Je dois aller délivrer mon paquet à 1 700 km. Punaise, je me suis posé si loin. Bon, bah allons-y, hein, on va faire de la marche à pied. Hein. Waouh, punaise. Ah, l'environnement là, déchetterie là, c'est vraiment. Vraiment chouette. Hein. Bon, faut venir vacciner contre le tétanos quand même, hein, quand on vient ici. T'as plutôt intérêt. Ah ouais, très motivé à faire les 1 700 mètres avec une caisse. Bah ouais, mais j'ai pas pu me poser plus près, j'ai pas trouvé de.
d'endroit pour me poser plus près, ça me mettait la zone d'exclusion, donc j'ai pas trouvé comment faire. Maintenant, bon, j'ai peut-être pas tourné assez, tu me diras. Mais bon, c'est bien comme ça fait visiter les environnements. Je te conseille de mettre l'Under Suite de base, sans renfort et sans armes, pour éviter d'avoir un rythme cardiaque qui s'envole. Je suis à combien là? 59, non, ça va, tout va bien, regarde. Non, non, c'est bon, je suis en forme, je suis un sportif. J'ai l'habitude. Je vais pas très vite, hein. Je fais exprès de pas courir trop vite non plus. Et puis comme ça permet à l'ECS de souffler, enfin de faire souffler mon processeur sur tout ça. Est-ce que je peux passer là? Alors, si les ordures me barrent le passage, ce serait trop drôle. Non, apparemment, je peux monter par-dessus les déchets. C'est une longue marche. Mais non, j'ai l'habitude. En exploration, j'ai l'habitude. Je fais au moins 1 km, sinon plus, depuis mon vaisseau, en général à pied. Donc, il n'y a pas de problème. Je suis parfaitement habitué. Regarde, mon perso, il va. Il est à fond. Il a la forme. Mais pas de soucis. Iron Man, ok. Ça va si tu cours pas, sinon c'est vite chaud. Ouais, tout à fait, je ne cours pas exprès. Ah, c'est trop génial, les déchets qui s'envolent là comme ça. Oh, il y a des arbres ici. Il y a des baobabs, on dirait des baobabs. Bon, je suis pas venu pour ça, hein. Je suis venu pour livrer une caisse. On verra ça après. Les déchets à mettre dans la poubelle jaune ouverte. Je ne sais pas. Ici, c'est la planète entière qui est une poubelle, donc difficile à dire. Allez, 1300 mètres à faire, on y croit. Voilà, il trotte très bien mon personnage. Pas de problème. Et en plus, j'ai aucun souci de FPS. C'est nickel. Allez, si j'arrive à obtenir la récompense de cette quête, qu'on arrive bien à me payer cette fois-ci, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas acheter le Dragonfly d'ici quelques semaines. Si j'en fais quelques-unes comme ça. Il y a des biomes propres. Oui, effectivement, j'ai vu ça en fait la toute première fois. Juste derrière l'énorme porte de leur ville, j'ai vu qu'il y avait des forêts, il y avait des collines avec des forêts. Et j'ai atterri une fois dedans, avant de me faire déco et de retourner à Port-Lizard. Du coup, après, j'y suis jamais retourné, mais j'ai vu furtivement ces environnements. Donc effectivement, il y a des biomes propres. C'est vrai, tu as raison. Ce n'est pas qu'une planète déchets. Je suis du bon côté là. Ouais, c'est bon. Toujours à 1000. 177 mètres, ça va, on y arrive. Donc c'est la porte numéro 3 qu'il faut que je livre. Ce colis, j'espère qu'on va me laisser rentrer. Parce que je viens de l'extérieur. Du coup, je m'interroge. Ouais, je me suis demandé si je pouvais pas atterrir là, mais a priori, je pouvais pas parce que ça m'était une zone d'exclusion. Ou alors, j'ai pas fouillé assez, je sais pas. Le plus simple pour se faire de l'argent dans la 3.5, c'est les mercenaries avec la destruction des balises. Tu peux les enchaîner et faire 6 à 7 000 par mission. D'accord. Bah écoute, je teste, hein, de toute façon, là, je suis vraiment au début des missions. Donc forcément, les missions de livraison, c'est ce qui est le plus simple à faire. Donc j'essaye de faire au moins une livraison qui ne bug pas. Ce serait pas mal. Voilà, là on a le métro, les couleurs du métro aérien. Qui dessert les différentes zones. Ils ont peut-être revu la zone car avant je crois que l'on pouvait se poser à environ 500 mètres. Bah non, hein, apparemment là on peut plus. Hein. Ça a le mérite de te faire visiter la. De te faire visiter avec la livraison. Oui, tout à fait, bah, c'est clair. C'est sûr.
je vérifie quand même de temps en temps mon rythme cardiaque. Non, je suis à 60, nickel. Nickel. Allez. On va essayer de livrer au moins une caisse au bon endroit. Et se faire payer en monnaie sonnante et trébuchante. Ouais, c'est ça. Je vois le numéro 3 là-bas qui s'affiche, donc on est bien au bon endroit. C'est bien la porte numéro 3 sur laquelle on doit se rendre. Allez. Donc là, j'ai voulu laisser les musiques du jeu, mais elles ne s'enclenchent pas tout le temps. Donc, on en a eu une quand on est arrivé sur Hearthstone, et puis là, plus rien. Oui, les portes se repèrent avec le phare bleu, d'accord. Ok. Parce que je me posais justement la question de savoir si on pouvait sortir de leur ville à pied et pas uniquement en vaisseau, et ben j'ai la réponse grâce à cette mission. Ils ont l'air vraiment mal en point les arbres là. Ah, y a encore des plantes que je connaissais pas ici. Ça encore je ne connais pas. Mais bon, je peux pas tout. Je suis pas venu là pour répertorier les plantes. On fera ça lors d'une mission d'exploration exprès pour ça. Une mission, une session d'exploration. C'est le même phare bleu que tu retrouves sur les avant-postes indiquant les lieux des spawns des rovers. Oui, tout à fait. Effectivement, ça j'avais remarqué. Donc c'est bien, c'est des points de repère qui sont importants pour éviter de perdre du temps. Allez, on est bientôt arrivé. Le cœur de mon perso se porte très bien. Je suis à 60 pulsations. Tout va bien. Oui, là tu peux, si tu en as, sortir un Dragonfly, un Ox, un Cyclone ou un Ursa. Absolument. Bah, c'est l'objectif là de mes missions de livraison. Je voudrais me faire des AUEC justement pour pouvoir m'acheter un Dragonfly. Parce que j'ai trop kiffé cette semaine avec le code gratuit là, pour avoir plusieurs vaisseaux, dont notamment la Dragonfly. C'était juste excellent. J'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Donc voilà quoi. Je suis parti à essayer de farmer les missions entre guillemets pour m'acheter la Dragonfly. Avant que la 3.6 arrive et remette tout à zéro. Mais c'était tellement génial pour explorer la surface notamment de Yela. C'était tellement beau. Tellement pratique. Alors après je me tâte aussi. Peut-être que j'achèterai un cyclone avant parce qu'il est moins cher. Donc j'obtiendrai plus facilement un cyclone que le Dragonfly. On verra à quelle vitesse j'arrive à gagner des AUEC. Pour l'instant je ne sais pas, ça va être en fonction du temps que je peux consacrer à Star Citizen en ligne et hors stream, on va dire, ce qui n'est pas chose facile. Elle est vraiment chouette hein, cette base là, ça fait tellement industriel aussi là, c'est cool hein. Les designers se sont quand même cassé la tête hein, pour être capable de sortir des bâtiments comme ça. Surtout si c'est généré de manière procédurale, c'est quand même fou quoi. Perso, je préfère le cyclone. Ouais, bah après c'est une sensation différente, hein, c'est sûr. Après, une chose que j'ai remarqué avec le cyclone, c'est que moi j'aime bien piloter en vue troisième personne.
Et enfin, pour le peu que j'ai utilisé, j'ai vu qu'il avait tendance à clipper, enfin, comment dire, il y avait une espèce de rollback assez désagréable sur ce rover. Mais bon, donc il faut rentrer par là. Donc, je vais remettre mon HUD pour voir où il faut que j'aille. Voilà, c'est à 43 mètres. On est proche d'y arriver, on est proche. Allez, va pouvoir livrer notre première caisse à leur ville. Oui, c'est par là. C'est parfait. Donc il faut bien que je repère, en fait c'est la porte numéro 3. Hein. C'est ça qu'il faut que je repère au niveau du métro si je veux ressortir par là. Faut que j'aille où? Zut, c'est où? Ah bah c'est là. C'est ici le distributeur. Ok, parfait. Alors on va rendre la quête. Hop. Vas-y, ouvre-moi la porte. Ok. On va essayer de placer donc cette boîte à l'intérieur. Comment je peux faire? Ça marche pas? Non, c'est bon. Mais non! Non! Allez, c'est un player shotgun. Heureusement, ça l'a pas cassé. Je l'ai mal placé. Ah bon, je joue en. Bah attends, je te dis après. Ouais, place, vas-y. Voilà, il y avait un truc automatique pour placer, c'est parfait. Nickel. Alors, j'espère que cette fois, je vais avoir mes AUC. Est-ce que j'ai un petit message pour me dire que l'objectif est complet, parfait? Ok, pourquoi il me le refait deux fois? Je veux pas. Ah voilà, c'est bon. Là, on voit bien que j'ai été récompensé de 7438 AUEC. On va vérifier dans mon compte en banque qu'ils y sont bien, parce que hier, c'était pas le cas. Voyons voir. Ouais, c'est bon. Cette fois, ça a marché. Regardez. J'ai bien mon argent, nickel, on a réussi la mission, punaise. Et salut Thierry Kiki, comment ça va? T'as bien dormi? Donc tu me dis, ah bon, je joue le cyclone à la troisième personne, à la manette, ça marche plutôt bien. L'autre jour, j'ai fait le tour complet de leur ville. Alors peut-être que la dernière fois que je l'ai essayé, c'était au moment où j'avais les problèmes de FPS. Donc c'était peut-être à cause de ça, effectivement. Ouais, GG, j'en ai bavé, hein. J'en ai bavé depuis hier que j'essaie de faire une mission pour enfin être récompensé. Ça y est, oui, on a réussi. Bon, bah c'est cool, je suis content. Voilà, parfait. On a enfin réussi une mission de livraison. Alors du coup, ce que j'ai envie de faire, je vais essayer de retourner pour terminer ce stream parce que malheureusement, je vais être obligé de finir. C'est par là, ouais, c'est par là. Je voudrais essayer de reprendre mon Aurora, donc on va retourner à l'Aurora. Et je voudrais essayer de me balader si je peux retrouver les forêts qui m'avaient enchanté la première fois que je suis arrivé ici. J'en revenais pas, quoi. Donc je vais essayer de les retrouver parce que là on est dans un environnement type déchetterie, donc on va essayer de quitter cette zone. Il y a pas mal de missions de transport bien payées depuis les portes de leur ville. De pouvoir enchaîner si tu le souhaites. Ouais, tout à fait. Non, on va voir de toute façon. Là, je vais juste aller me promener un petit peu. Profiter d'avoir l'aurora et d'être à l'extérieur. Pour voir un petit peu les environnements extérieurs à leur ville. On va se balader un petit peu dans la campagne. Allez, je cours un petit peu plus vite. Là, je ne suis plus chargé. Après, si j'avais réussi, enfin si j'avais été payé pour la mission que j'ai fait hier, parce que j'ai quand même réussi la mission, hein, ça m'a bien marqué que j'avais complété la mission, mais la récompense n'a pas été validée, donc voilà, j'aurais pu avoir la même somme quasiment, donc j'aurais pu avoir presque 15 000 là déjà sur mon compte, c'est un peu dommage quoi. Il y a des bugs comme ça au moment où tu livres. Ça te dit bien que tu as complété la mission, mais t'as pas l'argent. T'as pas l'argent, donc t'as quand même l'impression de te faire arnaquer, quoi.
Allez, 1300 mètres, on va les faire sans problème. J'étais en train de me demander s'il y avait la possibilité dans le bindage des touches, si on peut essayer de bloquer la touche qui permet d'avancer, comme dans tout bon MMO qui se respecte. Est-ce qu'on a ça? J'ai pas regardé si on avait ça dans les touches. Est-ce qu'on peut bloquer la touche Z en l'occurrence, qui permet d'avancer quand on joue au clavier souris? Ouais, le problème est connu sur la 3.5, d'accord. L'émission de delivery, je suis payé environ une fois sur trois. D'accord, bon, bah c'est bon à savoir. C'est un peu chiant, surtout quand tu fais 50 millions de kilomètres au total. Mais ouais, mais c'est ce que j'avais fait hier. Non, il n'y a pas moyen, d'accord. On peut pas apparemment bloquer la touche. Mais bon, je pense que ça va être faisable, un de ces quatre. Oh, j'adore les textures du sol, mais comment ils se sont cassés l'arrière-train, on va dire. Pour arriver à sortir des textures comme ça, c'est vraiment chouette, hein. Allez, 1 km encore à faire. C'est pas loin. C'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je fais mes sessions d'exploration en Aurora. Encore que là, je vous recommande fortement d'aller voir mon replay sur ma chaîne YouTube de ma session sur Yela que j'ai réalisée lundi. C'était époustouflant, quoi. Là, moi, c'est la première fois que je découvrais cette lune. Donc, on a fait ça en vaisseau, à pied, en Dragonfly. C'était magique. Et la suite va arriver parce que j'ai une autre session que j'ai faite après mardi après-midi aussi. C'était bien sympa aussi. Allez, 700 mètres à faire. On approche. Et donc, on va pouvoir terminer ce stream sur du vol en Razmot en Aurora. Et si on trouve une forêt, on ira se poser dedans pour se faire un petit pique-nique. Je suis sûr qu'on va trouver un arbre avec des fruits. Ils sont capables d'avoir mis ça, hein, il n'y a pas de problème. Déjà, il y a des baobabs ici. On voit bien les buildings de leur ville là-bas. Mon top 3 des plus belles lunes, Lyria, Yela, Aberdeen. D'accord, ben, j'ai fait pour l'instant que Yela et Démare, c'est tout. Mais même Démare, je kiffe, hein. Franchement, j'adore les canyons dans Démare. Et encore, je suis vraiment très curieux de savoir ce qu'ils vont nous pondre comme canyon 2.0 là, qui devrait arriver prochainement, dans les prochaines mises à jour. Ça a l'air quand même assez cool. Les peu de visuels qui circulent ont l'air quand même assez dingues. Donc si mettent ça sur Daymar par exemple, ça va être un truc de fou, hein. Même dans les environnements de déchets, là, c'est chouette, quoi. Mais où est-ce que j'ai été poser mon Aurora? C'est dingue. J'espère que je vais pouvoir passer. Je ne me suis pas coincé, là. Parce que là, il y a des énormes structures en acier. Je sais pas d'où elles proviennent, d'ailleurs. Est-ce que c'est des bâtiments ou est-ce que c'est carrément des vaisseaux? Ah ouais, mais je fais comment pour passer, là? Je peux pas passer. Si, peut-être par là. Si, je peux passer. Sinon, s'il faut que je fasse de l'escalade, bonjour les dégâts. Si, je peux passer, c'est bon. C'est ça qui est génial quand on fait de l'exploration à pied comme ça, on sait jamais où on met vraiment les pieds, justement. Donc, c'est assez marrant. Est-ce que je peux traverser la montagne de déchets? Je vais éviter. On va faire le tour.
Oui, Lyria, j'ai des screens incroyables avec des reflets de folie, d'accord. Aberdeen est oppressant, je trouve. Ouais, Aberdeen, ambiance apocalyptique, atmosphère très dense, à visiter de préférence au coucher de Thornton, d'accord. Bah, j'essaye justement de pas trop me spoiler les environnements avec les missions de livraison, parce que du coup, on est amené à se balader un peu partout. J'aimerais bien pouvoir découvrir les lunes au moment où ou les planètes au moment où je fais des sessions d'exploration pure. C'est vraiment là où c'est plus sympa. J'essaie de me concentrer sur les missions et de pas trop regarder les environnements pour me les réserver pour plus tard. Oh, c'est marrant la couleur de l'étoile à travers la poussière. Oh, c'est super bien rendu. Hein. Punaise, ils ont des rendus de fou. Allez, on a retrouvé l'Aurora. On va pouvoir décoller et se faire plaisir un petit peu avant de finir ce stream. Il faudra que je coupe vers 17h environ. Alors, est-ce que là ça va marcher? Interchip. J'ai pas ma caisse dans les mains. Oui, il veut bien monter. Est-ce qu'il va rester? Un cockpit. Oui. Parfait. Donc, on peut rentrer dans le siège. J'espère, parce qu'apparemment il y a un trou dans le plancher. Ok. Alors j'avais pas éteint. Hein. Voilà, j'avais pas éteint, donc ça se rallume, parfait. On peut relancer les moteurs. Parfait. Allez, on décolle. J'enlève les trains. Ok. Et on va essayer bah, de se faire plaisir. On va voir où est-ce qu'on peut se balader. En dehors de la zone d'exclusion. Là, par exemple, je vois des montagnes là-bas à gauche. Pourquoi pas essayer d'aller là-bas? Allez, on va voir combien on peut avancer sans se prendre l'alarme d'interdiction de vol. Voilà, ça me paraît bien là-bas. Ok. Wouah, punaise, mais ça envoie, ça envoie, c'est pas possible. C'est complètement différent d'Arcorp. Dark Corp. Je sais pas comment ils ont réussi à faire ça en fait. Parce qu'ils auraient pu s'amuser à reproduire avec les mêmes environnements et on voit que c'est pas du tout la même chose, quoi. Là, on voit qu'on est vraiment sur un environnement de mine. Enfin, c'est pas du tout la même façon d'exploiter les environnements que sur Arcor. C'est fou, hein. Ok, donc là, ça a l'air assez désertique. Et coucou, Pavier. Alors, t'as réussi à livrer ta boîte? Eh bien, à l'instant même. À l'instant même. Je viens enfin de réussir une mission à 7300 crédits. Donc, c'est parfait. Ça a marché cette fois. J'ai bien été payé. Donc, c'est nickel. Et comme là je suis obligé d'arrêter le stream à 17h, et eh bien j'en profite là pour ressortir de leur ville. Parce que je suis à leur ville, sur Hearthstone. C'est là où m'a mené ma dernière mission. Et je m'amuse à me balader un petit peu comme ça en rase-motte autour de la ville. Pour voir si je peux pas retrouver les environnements qui m'avaient épaté lors de la 3.4. Mais je pense que je risque d'être un petit peu déçu. Là, on est surtout dans des environnements désertiques. Je vais essayer de me remettre avec ma caméra standard. Voilà, celle que j'aime bien avec l'Aurora. Pour voir. Alors, où est-ce qu'elle est la porte? La grosse porte là, de leur ville. Parce que je vais essayer de la prendre comme point de repère. Allez, d'accord, je suis complètement à l'opposé. D'accord. Et il me semble que par là, donc voilà, face à mon vaisseau, par là-bas, j'avais trouvé une forêt. On va essayer d'y retourner. Alors par contre, j'ai un problème avec mon moteur est buggé. Je peux plus arriver. Ça, c'est pénible. Je peux diminuer la vitesse, on est d'accord. Voilà, je peux l'arrêter si je veux. Mais ma vitesse de croisière bug. Ouais, c'est buggé. Je peux pas arriver à coller la vitesse comme je veux. Donc du coup je suis limité à 200
36 de vitesse maximum, et pourtant j'ai enlevé mes trains d'atterrissage. Donc bref, on va faire avec. Voilà. Et hier, oui, bah, j'ai réussi quand même à livrer la boîte hein, hier, mais j'ai pas été payé. Ça a pas marché. Je vais me chercher un petit cappuccino et j'arrive, pas de soucis. Non, tu es limité par la pression atmosphérique. Non, tu rigoles. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il y a une atmosphère ici. Ah la vache, j'avais pas du tout pensé à ça. Effectivement, je suis. Ah oui, d'accord, c'est la limitation max par rapport à l'aurora. Ok, ça s'explique. Merci So pour la précision. Je pensais pas à ça. Si je prends l'altitude, tu pourras accélérer. D'accord. Ok, bon bah c'est pas grave, justement je voulais faire du rasmote. On va rester à cette vitesse là. Je vais essayer de trouver l'endroit où je m'étais posé la dernière fois. C'était vraiment cool quoi. D'ailleurs on retrouve les clichés que j'avais fait qui sont dans le générique que je mets à la fin et au début d'ailleurs de mes streams. Non. C'est bizarre, ça m'a pas l'air d'être ici parce que ça a l'air super poussiéreux par là. Ouais, est-ce qu'il peut y avoir... Non, il n'y a pas encore la météo là. Il ne peut pas y avoir des tempêtes de sable comme ça. C'est que par zone pour l'instant. Ça peut pas se déclencher comme ça au hasard. Il me semblait que c'était par là. Hein. Ouais, il me semblait vraiment que c'était par là. On va essayer de s'y rendre. Ouais, il me semble que c'était dans ces collines là. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau, punaise. Ouais, une sacrée atmosphère même. Demande à ceux qui sont en reclaimer le bordel que c'est pour sortir de l'atmo. Ah bah oui, tu m'étonnes, c'est énorme. Ah ouais, j'imagine la puissance qu'il doit falloir pour sortir. Non, pas encore de météo, juste le vent. D'accord. Ouais, il me semble que c'était par là. Je reconnais les montagnes. Il me semble que c'était par là. Donc je vais repartir vers le sol. Puis on va voir. C'est un lac que je vois à côté là. Ouais, ça a l'air d'être un lac. Hein. Ah, c'est dommage, il faut que je coupe le stream là, mais j'aimerais bien m'attarder un peu plus longtemps. Bon, je vais juste survoler. Puis si je vois vraiment un environnement sympa, on ira se poser. Ah, c'est un lac, d'accord. Ou une mer intérieure. Là, tu as un biome savane, mais il y en a plein d'autres. Ouais, il me semblait que j'en avais vu un par là. Mais ça doit être de l'autre côté de la montagne. Donc là, il y a carrément un lac. Ok. Je vais m'amuser à passer au-dessus. Voir un petit peu à quoi il ressemble. C'est génial qu'ils aient fait ça. Ok. Bon, je vais repasser de l'autre côté parce qu'il me semble que c'est par là que j'ai vu des biomes savanes. Oh, qu'est-ce que c'est beau, punaise. La précision des décors, c'est ça qu'en fait qui fait la différence avec les jeux de lumière. C'est. Tu sens que même si tu zoomes à fond, tu vas pas pixeliser quoi. Alors, il me semble que c'était par là. Oh là, crash. Ah bah j'ai crashé, comme ça c'est clair. Voilà, joli crash, une erreur combien? 30 000. Ça sent l'erreur 30 000. J'ai fait un joli crash là. Ouais, c'est ça, erreur 30 000. Bon bah écoutez, ça résout le problème. Hein. Donc on va s'arrêter là, malheureusement. Donc on n'aura pas vu plus de décors de Hearthstone et finalement c'est pas plus mal. Comme ça, bah, ça évitera de me spoiler pour mes sessions d'exploration. Donc, ben voilà, c'est pas grave. Voilà, je reviens, tu crashes. Je suis désolé. Non, mais de toute façon, il fallait que j'arrête le stream à 17h. Donc voilà, j'arrête là. On se retrouve en tout cas sur demain soir pour du Elite Dangerous. On va continuer notre mission.
enfin notre mission, notre recherche de matériaux gardiennes en Wing, hein, on va essayer de faire ça en Wing avec Monsieur Pavier ici présent. Donc c'est cool. Et puis pour Star Citizen, eh bien, on se retrouve lundi soir. Alors je ne sais pas encore trop ce qu'on va faire lundi soir. Est-ce que je repars sur une session exploration ou une session mission? Je verrai. Je verrai, je verrai. Bah, d'ici là, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube. Hein. Je vais mettre les replays de toute façon en ligne au fur et à mesure que je peux. Voilà, affirmatif. On est bien d'accord. Et puis, voilà, j'ai encore 2-3 sessions à mettre en replay sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, ce que j'ai, surtout ce que j'ai fait sur Lyria en Dragonfly, c'était vraiment le pied. Je me suis vraiment éclaté. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Ceux qui revoient ce replay sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. C'est encore la meilleure manière de soutenir la chaîne, surtout si vous n'avez pas les moyens d'aller sur ma page Tipeee pour faire des dons. Donc ça m'aidera de toute façon énormément, hein, le fait de simplement s'abonner. Et puis, voilà, je vous retrouve de toute façon vendredi soir. Prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez pas de jouer. Ciao, ciao tout le monde. Et bonne soirée à tous.